Ah, c'est tout côté ça qu'a fait, ça qu'a fait, ça qu'a fait. Est-ce que nous branchons Tiens, si c'est dans le canal avec China, monsieur, nous branchons. Et nous, là, nous, comme nous avons rendez-vous à chaque jeudi, nous toujours faisons effort pour nous brancher, pour nous et parler en gros du marché crypto. Bon, mais c'est mettre petite live là, et pour nous, pour tout le monde qui branche là. Branché, branché, on dit l'autre, et faire reconnaître que le China a branché et les crypto. Ok, là, nous allons parler. Maintenant, notre monsieur là, vous montez pendant ce temps. Bon, mon second là. Et pendant que je mette et là pour nous là tout, ok, tout ça a besoin qu'on ait sous cause Ethereum 2.0. Nous entendons parler de Ethereum 2.0. On va donner toute information sur l'affaire Ethereum 2.0. Pendant que je branche là, bah, l'autre temps, nous tourner dans 4 secondes. En forme, en forme. Ma notifié ce monsieur là, qu'il avait à commencer. Ok, on salue Ok, Jameson Saint-Chantou, et en forme, cher chéri, Fénelon Delgado, ok, nous saluons Emmanuel Félix, ok, Franti Nicolas, nous saluons l'ombre, Dog for Life, ok, Parien, ça va faire, je vois le Parien, Gama Brivalis, branché de vie dominicaine, Zoche Jean-Charles, ok, et branché depuis quoi des bouquins en barbale 400 à Ouzo, mon cher, vraiment désolé pour cette nouvelle là. Jonathan Florent, ça va fait. Ok, on est avec nous à Kala là. Bullpick Trading, bon, ça va fait même. Enfin, je m'appelle le Villa, je vais pouvoir contacter l'autre monsieur là. Donc, il faut pas m'avoir essayé contacter l'autre monsieur, donc on va pouvoir parler avec nous. Et thème sujet aujourd'hui là, c'est tout ça au besoin qu'on est sur Ethereum 2.0. Ok, et qui a avantage, qui est inconvénient, pour que les gens vont comme si expert qui savent, ça va affecter le marché crypto. En fait, tout ça qui concerne vraiment les crypto avec Ethereum 2.0, on va aborder le sujet ça aujourd'hui là. Et bien après, bonne question, mon bien entendu, nous avons une autre question qui sera posée sur les crypto, qui sont débutants, qui sont beaucoup plus avancés, pour nous répondre. Yeah, mais qui opinion de Ethereum 2.0 à ce moment-là, c'est débutant. Mon cher, nous avons une bonne explication sur les choses, parce que l'Ethereum 2.0, parce que nous avons quelqu'un qui a parlé ensemble avec nous, qui est dans le domaine de la machine de développement, qui fait des gros barrières à pied, parce que d'après ça, il a dit, spécialement pour frais, pour leur faire transaction sur la chose toilette ou genre. Tout le monde sait bien bien le bien on l'a acheté parce que c'est bien bien d'après. Mais d'après ça, il a dit que c'est une barre qui est en avance avec les côtés frais et choix sur les tu as venu ou ça met un masque, tout ça, quand tu as utilisé Ethereum, il faut y venir par un pile. Moins qu'un dollar, pardon. Moi, ce qu'on doit la question, c'est que je suis capable d'écouter les transactions faites qui sont sur blockchain Ethereum. C'est ça que je dis, d'après eux-mêmes qui déjà utilisé Ethereum 2.0. Il y a encore moins que Coinbase et qu'on y a là, sur Coinbase et sur déjà Ethereum sur Coinbase, il y a une femme qui a sous technique. Il a fait au cadeau Ethereum 2.0. So, back on, est-ce qu'il a fait ça, est-ce qu'il est en fait? Mais c'est ça que j'ai mis sur la plateforme là, de l'éphante, de l'enquête sur Coinbase, de l'éphante, ça. James Gellet, James Gellet, qui est négligé, on a regardé. C'est plutôt, et l'autre bagarre encore sur. Comme qui dit son pas bon, d'aller.
Comme qui dit son papa, bon, bah, qu'on est, bah, qu'on est, est-ce que James t'en aime bien? Et mon dieu dit son papa, bon, peut-être même après série l'autre monsieur là pour cap monter so en yo dit son là pas bon et on donne un petit genre bail tout vraiment et garder voir si tu peux corriger ça vraiment ya son son pas il va sonner bien en effet et moi il va sonner bien pour moi tout même temps d'eau tu t'en d'eau mais parce que tu as parlé de frère qui prend bagaille mais information que me gagne information que me gagne sur Ethereum 2.0 on pense son bagaille qui prend très 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 positif pour marcher. Et je pense que année ça, depuis que tu as fait, parce que tu as pu faire pour juin. Ok? Et bonne nouvelle, là, c'est que, on est dans crypto, avant de mettre des bails, comme si public font bêta, ça a eu le testnet, et puis les bails à la public, les mainnet. Ok? Actuellement, la testnet là, tu as fait switch déjà, et la fonctionne très très bien. Là, il dit dans la version test, on a l'air live. Est-ce que la fonctionne aussi bien que je la fonctionne là, nous connaissons. Mais pendant qu'on est là, dans le testnet là, les bagages, parce que un peu le monde a posé la question, est-ce que Ethereum a fait ça? Pour on va acquitter proof of work, qui est tout le monde qui a fonctionné ensemble avec elle, et puis pour nous lever, pour nous changer en proof of stake. Ok? Qu'on est là, est-ce que son bagage est possible? Et un peu le monde a plein de ça, un peu le monde a dit, est-ce que le possible, est-ce que nous avons fait? Quand on a un avion qui est en train de prendre vol, et puis pendant l'an, il n'y a pas de pinègue à prendre, pas non, pendant l'an, il y a sans va cracher. Est-ce que ça a son bail qui est possible? So, un peu le monde a plein de ça. Et un peu le monde est inquiet de ça. Mais bonne nouvelle là, c'est que notre testnet là, bah, il y a fait notre testnet là et tout va fonctionner correctement. Quand on a la live là, la plupart du temps, c'est live. Le bail fait live là, dans 3 mois. Comme ça, peut-être ça va être 3 mois. C'est pour qu'on ait bien testé pour qu'on ait un problème pour qu'on ait tout corrigé. Mais il y en a pas, même le comprendre, c'est que Ethereum, c'est blockchain qui est plus développé. Même pas c'est Bitcoin, pas c'est quelque soit chaîne. C'est même qui est plus développeur, ça veut dire plus smart people, smart développeurs qui développent l'application. Donc ça veut dire quelque chose qui t'a gagné un mot que écosystème ça qui est tellement grandiose, n'a pas mettre ensemble pour résoudre le problème là. OK? Donc mais bonne nouvelle là c'est que déjà la test là les chercher le connait là, question monde qui a posé pour qui ça a changé de proof of work à proof of stake et gain monde qui débutant il a dit pour qui ça? Ça qui proof of work là, ça qui proof of stake là. Proof of work là et ça veut dire que preuve de travail, ça veut dire c'est travail qu'on fait ou il y aurait les minage ou miner et coin là pour coin là sortir parce que faut un gens coin là produit. Donc il miner ou miner coin là. Là ça ils utilisent une série de appareils et ils utilisent en pile électricité. Donc étant donné que qu'on a parlé de green energy et tout on a parlé de tout on était en recevoir plusieurs critiques dans le sens que yo utilisé trop électricité. OK, yo utilisé trop électricité. Donc qu'on a là en pile monde nèg vin wè que pour capable marcher au pas avec gens moun besoin dans le monde dans là, il t'a préférable que yo réduit consommation énergie. Yo. Donc l'objectif pour réduire consommation énergie, ça y une raison heureux pour réduire consommation énergie. Yo. Donc nèg vin wè que et men l'état bon que yo passer le proof of work là. Qui utilise l'énergie, qui utilise une série d'appareils, qui utilise une série de mineurs pour faire travail là. Pour passer à proof of stake, côté que vous n'avez pas besoin de ça, vous allez utiliser 99% moins d'énergie. Là, vous passez à proof of stake là. Et proof of stake là, lui-même, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'énergie. Vous avez là, c'est le monde qui vient pour token, qui vient sécuriser le network là. Avec token là. Ok, vous venez sécuriser le network là. Donc, en pile, la majorité de coins dans le moment et crypto, c'est proof of stake que oui. Majorité crypto, c'est ça qui est à la mode. OK, c'est ça qui est à la mode, c'est ça tout que régulateur voulait ouais tout proof of stake là. Et proof of stake dans les pieds intéressant. Et proof of stake dans qui avantage que il y a la donne. OK, avantage que proof of stake dans il y a la donne c'est que un ou même qui prend coin noir qui d'accord stake lui. Et ça relie staking là. Ou d'accord mettre à disposition network là pour sécuriser network là. Et ben il y a bon intérêt qui a baou. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et dans le cas Ethereum, la va évaluer entre 10 à 15% immédiatement que vous switch de proof of work là, proof of stake là. Donc ça veut dire, ou même là, qui gagne Ethereum ou qui a le stake Ethereum, il y a bon 10 à 15% là. Donc ça, c'est un bagage qui est très, 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 très intéressant. Et dans pile big money, parce que la majorité de monde, et qui a investi dans, comme si smart money, il a investi dans Bitcoin avec l'Ethereum.
age fund yo, pension fund yo, genre de base. Donc, c'est deux, et ça reconnaît. Mais là, il était en train de passer de proof of work à proof of stake, là. En pile investisseur pral fè chwa pou investi nan Ethereum de préférence. En pile investisseur pral fè chwa pou investi nan Ethereum de préférence, contrairement avec Bitcoin parce que yo ka fond intérêt sou kòb la parce que yo ka stake Ethereum nan kote ap fè 10 à 15%. Et c'est deux projets sa ou que de ka di Smart Money en fait plus confiance. OK, bon l'autre ami là qui est avec nous là et bam bam bam, bam salut monsieur et souvenez ça qu'a fait bonheur. Nous battons de nous. Souvenez l'autre femme. Vous tenez nous. Et baronne, vous tenez, c'est le ce problème, non? Mais, et baronne, nous tournez, est-ce que vous tenez bien qu'on est là? Et maintenant, nous petit genre, même genre, mais continuez à parler, vous. Bon, nous essayons ce type de nous, est-ce que par la table dépassée, baronne, baronne qui est dans le problème, non? Parce que vous avez fait correct. Et toujours même genre dans de rue et toujours même genre mais il y a tant d'eau mais toujours même genre okay. Yeah. Et en tout cas et ça m'a dit c'est que et le y a un avantage que les Ethereum passé de proof of work à proof of stake là c'est que monde pas les possibilités pour stake Ethereum il y a pas le faire de ça 15% intérêt là il y a nous style pas tant d'eau sauf elle là nous va le faire ça 15% intérêt là. Ensuite, Ethereum, yon nan kouf kèm Ethereum gen la frene Bitcoin. Man se sa wè le gaz fi. Bien ke, moun karebe si gou la jè ou yon mèm yon pa kè de problem nan. Men, moun karebe si mwen se mwen kazi non transaksyon kap fè, transaksyon mwen se 10 000 dola, mwen se 100 000 dola, moun sa yo, gaz fi an deranje yo. Surtout lò ponse de lò de kèkou sou la, Napoli, Go, etc. Yo mèm gaz fi yo a vreman, vreman, vreman ba. Donc Ethereum, l'Ethereum passe à proof of stake là, gaz fee en bra réduit considérablement. Même genre avec Binance, même genre avec des gaz avec Avalanche, etc. Gaz fee en bra réduit considérablement et ça sont excellentes nouvelles que le bralier et ça sont bagages qui pral fait pas plus tard que mois de juin ou bien mois de juillet parce que c'est dans ça que on prévoit pour passer de proof of et work là à proof of stake là. OK et on parle nous de électricité. Yo pral bouli moins électricité parce que on a besoin pour faire que li manger en électricité donc là on va ça pour faire stick dans Ethereum pour pas être électricité donc ça veut dire que et en pile compagnie big investisseur yo pral plus qu'à faire Ethereum dans confiance ça veut dire comme si moun ki a parlé de énergie verte moun ça pral plus comme c'est apprécier Ethereum non. OK donc yo pral plus dire OK Ethereum dans ça c'est li pour nous choisir parce que li pas bouler l'électricité etc. parce que y a pile moun k'ap combat Bitcoin. OK malgré Bitcoin connait là il passer de énergie depuis le la Chine tu dit pas d'accord Bitcoin là et puis qu'on majorité nèg yo à États-Unis et comme si consommation nèg yo plus utiliser énergie verte pour fonctionner et puis nèg Bitcoin tout et le moment là on va continuer à suivre évolution bagaille ça côté que grosse le compagnie avec Exxon Mobil et nèg yo gagne rejet courant que yo gagne comme si dans gaz yo et flair yo nèg yo utiliser pour miner Bitcoin. Donc ça veut dire son courant que tu vas jeter son rejet lié il va jeter il va pas utile rien il t'a nocif pour l'atmosphère là et Bitcoin et mineur Bitcoin yo ta récupérer comme si rejet ça yo pour miner Bitcoin avec de référence ça veut dire qu'on a vinn utile. OK donc parce que grand pile gros compagnie et comme si qui l'en bas pétrole avec gaz yo pral rentrer dans logique ça et yo Exxon fait les marchés pour Exxon, c'est ce que la marché pour Exxon. Donc l'autre monde va l'emboîter le pas. Donc parce que et ça tout living bon pour mineur parce que mineur lui-même son rejet électricité lié. Donc et il camine Bitcoin correctement. OK? Et li très bon marché. Et nous connaît que affaire Bitcoin tout temps qu'il existe au plus bon marché, donc c'est plus profit qu'on fait. Donc je pense que en pile mineur pour rentrer dans logique ça. Ya et Sovrel, vous entendez nous? Bien, de l'autre bien, moi, tout allait bien. OK. De l'autre très bien, là. De l'autre très bien. Yeah. Et Mapsalo, et sujet aujourd'hui, là, c'est tout ça nos besoins qu'on est sur Ethereum 2.0. Et bon, nous sommes développeurs. Et ce qu'a présenté un peu, parce que mes premières fois monté sur live, là, ce qu'a présenté un peu, et puis pour nous capables rentrer dans le vif, dans le sujet. En fait, pour nous, par contre, nous, parce que c'est Bodhi Jean-Sauvel, et moi, je suis full stack développeur, Web 2 et Web 3 développeur.
normalement bon peut-être bien des produits qui en plus vous avez parlé d'autres pour et Banque Dev et Radio Cam c'est moins comme des produits ça et ça fait un petit temps moi ça très court près à 3 ans environ depuis que j'étais d'Haïti en République Dominicaine et je suis toujours connecté avec et la communauté hein n'a poussé et à un moment là me dit ça a environ 1 an et demi depuis que fait me dit blockchain là une principale activité et professionnelle moi parce que en même temps ils sont passion mais pour moi ils viennent on source d'emploi parce que ils commencent à aider par rapport avec aussi web pour monter là-dedans et là-dedans on fait quoi comme développeur mais web tout en tout ils commencent à aider tout comme si pour me basculer et dans changement paradigme ça parce que il n'est pas toujours évident parce que en pile fois depuis pas une demande dans le marché toujours paix à la marché ça et je dis on sont lié lors décide de OK ou continuer quitter on sait travail dans web tout pour chercher travail dans web rien il pas toujours évident même parce que c'est positionné les vous bien positionné d'avance et bas c'est opportunité et on cap profiter autant et c'est un plaisir OK so en forme souvenir donc au République Dominicaine depuis 3 ans on sont développeur web 2 avec web 3. OK. Et dans moment là où commence à vivre de web3 financièrement parlant. OK. So et est-ce que vous sont monde comme si qui développe projet déjà ou bien travaille sur projet l'autre monde, comment ça est? En fait, et puis l'autre du web3, est-ce qu'on peut parler parce qu'il y a monde qui nouveau là qui soit qu'a dit que web3 comparativement avec web2. OK. Bon, on passe et avant même que m'entrer dans web3, on va faire un parallèle et j'aime qu'on ait internet non pas toujours il pas tout il pas bon mot il pas existé donc mais dans les années 90 et là on commence à créer première version internet là qui te permet monde qu'à consulter documents comme si des petits groupes monde qu'à créer qu'à taper et puis ou même qui pas qu'on a une technique ou t'es qu'à juste consulter donc là on t'a parlé de web 1.0 laisse à tout monde senti son révolution mais les c'est première génération internet là première génération internet. Mais là, on va commencer à joindre des compagnies comme Amazon, comme Alibaba, Google, ou même Facebook, Twitter qui entrent dans le game. Là, on y a une bonne possibilité pour interagir. Avec tout le monde vient en créateur, au lieu d'un petit groupe. N'importe qui, toi, lambda, qui a posté vidéo, photo, texte, les capacités de le contenu. Mais il vient avec problématique. Parle de parce que on vient dépendre des grands détails. Parce que c'est une centralisée. Exactement. Vous pouvez être sur disponible pour vous. Donc, de là étant, vous gratis. Mais vous pouvez tous les produire. Parce que c'est information personnelle. C'est vous-même, c'est temps qui vient produire. Donc, ça veut faire comme si en pile monde, j'en ai remarqué, le monde n'a toujours pas en pile sur les gens. Et ma grande tête, ça a été concentré. Vous prenez la table, vous vendez, vous ne pouvez pas gagner et tout. Donc, je dis, on a parlé de Web3, c'est la troisième génération Internet. Là. En plus pour nous qui viennent dans nos processions, ça nous vient sur Internet. Là. C'est toujours même Internet, là, mais Web3 vient dans nos possibilités pour nous posséder. L'organe d'art de propriété. Exactement. Ou bien d'art sur Internet, mais vous possédez, ou pas grand intermédiaire. Ou bien propre sur Internet, là, et vous possédez. Vous voyez, je paye pas la gérer le courant, pas la gérer le courant. Donc, c'est-à-dire, quel que soit ça, vous gagnez, vous êtes capable de posséder dans la vie, comme c'est réel, là. Depuis le cas numérique, c'est comme un titre, comme un actif, au cas possédé dans mon virtuel. Mais avec Web 2.0, c'est pas possible parce que ou pas de structure ça qui permet de créer actif là pour protéger et pour transférer. Donc c'est pas de chance. C'est parce que lorsqu'on fiche dans Web 2.1, dès que vous voyez le bas, on ne trouve rien fiché. Mais le fichier toujours là, même vous voyez le bas, tout le monde copie. Mais après, son copie l'autre monde gagne. Il fait contenu transférable. Donc, de là étant, si on Bitcoin là, on va pas un Bitcoin encore. Donc, ça vient faire comme si il vient rendre et comme si actif unique. Donc, en gros, c'est ça. Et je dis là, si on a regardé l'opportunité là, et c'est grâce à blockchain qui permet web tout lien toute force. Parce que c'est technologie blockchain là qui vient greffer avec technologie et database qu'on est déjà, mais qui vient rendre database qu'on y a là, qui vient multidimensionnel côté
li décentralisé. Ou pas yon un acteur qui a une base de données qui centralisé. Tant que j'en te Facebook qui est tombé dernièrement, j'en pile mon Facebook gros. Je te dis Facebook décentralisé, lien d'accord, lien serve de tout côté. Mais au fond, Facebook centralisé, ou remarquer le tombé, tout côté, tombé de tout. Donc, qui compte avec CD et blockchain, il tape tombé en côté, reste côté. Mais il tape toujours live. Il tape toujours live le côté. Si c'est un exemple clé ou qu'à garder pour faire la différence entre le système aussi procédural avec le système aussi et blockchain qui porte des changements majeurs, ça, porte nous toutes qu'à participer, nous toutes qu'à posséder un bagage. Donc, si c'est pas un groupe de monde, bon. M'espérer et n'a prié ce que le système nous avait tellement concentré dans mon groupe pour venir perdre des avantages. Mais c'est chaque et nous chaque là qui pour côté qui ont pas nous profiter pleinement des avantages. OK. So et Ethereum non, parce que là on a parlé de Ethereum 2.0 et me connaît grand pile monde qui en bas live là qui nouveau et c'est première fois entendre des gens de sujet ça. Mes amis, si nous aimons ce sujet là, cliquez sur petit pouce bleu nous love là. Et by souvenir love la banek China love la. OK et donc qui qu'est-ce que tu peux nous love la. OK l'on fait ça li on montre appréciation. OK on montre appréciation non plus de 100 centaine de monde là et puis c'est 12 monde seulement qui like donc il ba nous love la et l'autre bagarre encore li la permettre que et l'autre zami Facebook a partagé la ça ba l'autre monde. OK la preuve que l'autre monde intéressé avec la blague il a partagé la blague à l'autre monde. OK, so mes amis qui sont sous petit pouce bleu, à pas chiche pour love là. OK, et ça va coûter rien et donc et ban nous love là pendant ce temps et Bullpick retourner là. En forme. Ah, moi c'est nous étranger, nous sommes petit bail technicien là. Est-ce que nous entendons bien? Là. Et amis, on t'a parlé de si ça qui web 1, web 2, web 3 parce que thème ça pour nous c'est commun parce que nous même nous dans blockchain là. Mm-hmm. Et même si nous pas développeurs mais nous c'est investisseurs et on sait le bail que nous comprenons. OK, mais et il y a pile monde qui en bas là si là n'a parlé là avec chinois n'a parlé. OK, donc n'a pas essayer ouais comment des cas et des monde. Il y a pile monde qui même j'avais nous qui était en compte tout bas ça yo. Et mais obligé mettre sujet à tout pour monde qui nouveau yo. Donc et n'a nous t'a parlé de Ethereum. Est-ce qu'a dit monde souvenir qui ça qui Ethereum là? Bon, en fait, si n'a regardé grosso modo Ethereum dans son blockchain. Mais quand on a pas entré dans le détail, on a dit Ethereum, mais c'est deuxième génération blockchain. L'ensemble de deuxième génération blockchain, c'est par rapport avec Bitcoin, qui c'est première génération blockchain. Qui c'est, Bitcoin, c'est un blockchain qui juste supporte un actif. Mais Bitcoin, on ne peut pas faire rien de tabelle qui est transféré. Pour c'est transféré. Donc, et la vitalité, ouais, potentiel blockchain. Et puis, il dit, wow. Nous ne pouvons pas grand plus avec Bitcoin. Mais il n'y a pas de possibilité ça. Donc, il a décidé de créer Ethereum. Donc, deuxième génération, c'est parce que je disais avec Ethereum, c'est le premier blockchain qui a une possibilité de créer ce blockchain. Ça veut dire, ce n'est pas seulement un actif comme si on a une loi, juste pour procéder, nous avons un mais on ne peut pas faire un lien avec, on ne peut pas mettre la caméra, on ne peut pas acheter un dans le même monde. Donc, c'est-à-dire, il manquait utilité dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'il me dit que nous n'avons pas utilité, mais il y a des coins, il y a des utilités. Et, quand on regarde ça, Ethereum, côté, avec ce contrat, DA ou tout bas, ça va parler aujourd'hui, NFT, c'est grâce à Ethereum. Mais l'Ethereum qui est construit, il était fait comme si, nous m'a dit, pas de la va vite. Mais tu as un challenge, il va t'attendre qu'il va faire face à vous. Parce que l'on blockchain, il y a un trilemme. Mais pendant que tu dis blockchain, tu as un bon définitif. Qui est-ce qu'on blockchain? En fait, pour nous, en blockchain simple, son registre. Son registre, comme si même j'étais à un cahier et on cahier compte là, chaque semaine qui font une transaction, qui paye ou entre, ou écrit là-dedans. On dit son fait Excel. On fait Excel. Les différences qui ont fait Excel, ça, qui ont gagné sur ordinateur avec fait Excel, blockchain, là, c'est que chaque fois qu'on fait un changement, fait Excel ou gagné sur ordinateur, il y a 10 000 ordinateurs, automatiquement, tout changer sur YouTube. Qui vient faire qu'il y a fait Excel pour là, si on a essayé de corrompre, il faut corrompre tout le fait Excel, parce que il y a un archive avec le temps qui dit, OK, tel, 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 tel,
femme m'a fait différent, faut ta convaincre tout l'autre pour dire pas et on va faire changement tout. Et c'est pas là qu'on fait changement, pas qu'on change changement qu'on fait. Exact. Tu es débrouillé c'est pour un blockchain là ou c'est pour on fait Excel loin, on procède de faire Excel ça pour quoi. Et après juste un petit wow ou pas valide. Donc on soit blockchain là. Je me dis Ethereum là gain ou parler de smart contract, qui a qui smart contract là. OK? Bah smart contract qui ça qui ou parler d'Ethereum de smart contract avec ça donc il y a ça smart contract. Si je dis hein, n'a pas parlé des NFT, n'a pas parlé des crypto-monnaies, n'a pas parlé des AO, c'est grâce avec un concept qui pour un pile monde qui paraît banal mais qui révolutionne le monde comme si blockchain là, smart contract. Smart contract c'est un algorithme, aussi simple même peut-être et pour algorithme pour exécuter sur ordinateur. Mais à la différence, algorithme ça l'offre une écrite ou déposer sur sa réunion EVM, une machine virtuelle qui connecte avec blockchain Ethereum. Donc, c'est dit, sur blockchain en soi, il y a des transactions, mais une machine virtuelle qui stocke le programme. Donc, on y a là, le programme ça l'offre une mettre sur la machine virtuelle, il permet que ou fait ou qu'a fait on somme des bagages ou qu'a balde ou qu'a passé des rules et puis on passe le log ou dit fait ça avec exécuter log ça jusqu'à ce que blockchain ta pas ta existant encore parce que une fois qu'on crée un smart contract sur blockchain ou pas qu'à retirer encore généralement parce que je disais que les révolutions qu'a fait avec les possibilités pour qu'a update smart contract mais généralement ou pas qu'a update un smart contract une fois qu'il déploie. Parce que ça qu'on va faire update, on va repointer l'adresse vers un smart contract. Mais depuis tout ça sur blockchain, on est là à vie. Par contre, c'est comment ça nous tourne? Nous comprenons, nous comprenons. Hello? Nous t'entendons. Allô? Nous t'entendons, oui? Vous t'entendez bien? Nous t'entendons bien. Ok. Donc, sur tout ça sur smart contract, tout ça qui sur blockchain, on est là à vie. Bon feedback nous battons et nous t'entendons très très bien oui nous pas tout d'autre nous pas gagner aucun problème non et pendant zone gagner Erickson question vous nous t'entendons très très bien et Sovnel et Erickson vous question pour là combien cob vous besoin pour rentrer dans Bullpick pour entrer dans Bullpick pas besoin plus comme ça parle vraiment qui bon gagne plusieurs prix sous Chili Brésil et Haïti, Saint-Domingue, pour y a différents pour vous-même. Quand on est au cas, rentrer dans Bullpick avec $40, si vous voulez, mais pour venir apprendre et comme ça tout, qu'on a vous-même le prêt à investir, ça, si vous prenez décider d'investir, ça va dépendre de vous-même. Mais pour venir un membre dans Bullpick, ou quand et venir, même si c'est $40 gain, que ce soit au Brésil, en Argentine, Chili, Saint-Domingue, Haïti, ou qu'à payer seulement $40 pour venir un membre dans Bullpick. Intéressant. Intéressant. OK, et on monde qui est intéressé avec ça, moi c'est redbrush.com/Erickson. Erickson qui E-R-I-C-K-S-O-N. E-R-I-C-K-S-O-N, redbrush.com/Erickson. Et vous trouvez sur page Bullpick directement. OK, Bullpick Trading. Et puis, vous même on doit faire achat pour là. Et Sovnel, l'after là. Oui, c'est une question d'internet. Il y a un problème. Yeah, on fait celui-là avec son d'abstient. Donc, on se met contre là, une fois que vous finissez de déposer sur le blockchain, on ne peut pas effacer, on ne peut pas faire avec. Toute logique, vous êtes dans l'IO, la peut exécuter ou à vie. Mais comme on est, je disais, bien ça, on est fine. Donc, les images, je ne sais pas quoi vous créez, je disais, dans 5 ans, bien va découvrir un faille là-dedans qui n'est pas capable de voir 5 ans avant ça. Donc, il fait comme si. Une entité comme si cap dévoué cap lutter pour protéger comme si et smart contract ou protéger blockchain là donc ils ont investi en pile dans sécurité je dis qui fait qu'on y a essayé qu'au moins pour faire des smart contracts qui éditable donc ça veut dire vous finissez déployer si vous voulez vous carrez déployer mais pas comme si vous redéployez maintenant ou juste comme si vous pointez le vers un autre smart contract qui pour bail service avec et comme si qui patcher donc il fait je dis là smart contract yo yoka et update. Donc, là, on dit smart contract, là, ça veut dire un contrat intelligent, et nous comptons qui ça un contrat, et un contrat, c'est des termes que nous prêtons préalables, on dit si je fais tel bagaille, ou même moi fais tel bagaille. Nous mettons des conditions, nous mettons d'accord sur ça, ok, et puis, là, nous n'avons pas besoin de nous ni dans la vol, ni dans la bagaille, depuis nous déployons smart contract là, ou à utiliser smart contract là, ça nous dit que tu dis, nous faisons, dès que nous passons pour là, et puis, l'autre bagaille là, lui-même, il tout fait automatiquement, sans baguette par l'empile.
OK, et ça fait du smart et intelligent. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So, on va regarder DEX et des exchange. C'est smart contract qui est possible. Donc, avant, si on a regardé Binance, même tout le temps, pas grand monde qui a pris un crypto-monnaie pour l'acheter, la transaction pas passé. Mais avec smart contract, il n'y a pas besoin de temps de monde à vendre, il n'y a pas besoin de temps de monde à acheter. So, il just permet de faire transaction ça de façon indépendante sans intermédiaire. Donc, c'est tout ça. Dexan, pour ceux qui ne connaissent pas, Dexan veut dire exchange décentralisé. Exchange, ça veut dire qu'on côté monde à l'acheter, vendre crypto. OK, ça veut dire souvent acheter crypto à aller ou acheter souvent vendre même côté à ou vendre. Mais c'est un logiciel lié, c'est comme si pas une compagnie d'elle, il pas centralisé, il est décentralisé, il est sous blockchain là. Yeah. Mm-hmm. Yeah. C'est pareil pour NFT hein, c'est pareil leur bon NFT ou trade li, ou pas besoin d'intermédiaire qui vous dit ah, m'te gen NFT ça, m'te gen NFT. Oui. Donc son smart contract qui dit OK, m'te gen NFT hein, li mette la tel prix OK, ou prendre un problème li puis faire change à vous sans pas besoin personne entre la mi-temps pour faire et ça comme ça. Donc exactement. Et c'est ça. Mm-hmm. Et ya et Galère qui fait brancher là bord de salut mon rapide vite là et ça va fait. Ouais, en forme. Nous on est depuis jeudi soir lié tout le monde supposé là. Moi me fait toute forme là. Pour paraître forme salut mon quand même forme mon temps de crypto grand pile bail qui là. En fait gon nouveau là comment les amis pam. Et c'est Jean Souvenel Baudry et chaque jour je vous bien content. Et présent ensemble là. En forme, voilà. Son Zaka fait. Posez, comment on est là? Pas fond moment ba ou pas. Et James, nous toujours là la frappe. Bon, moi salut tout le monde, c'est un plaisir et jeudi à la c'est Ethereum 2.0 on a parlé. Donc Ethereum sorti Ethereum classique à Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0. Bon, il y a pas vraiment utilisé non ça encore non James, les gars t'as passé mon lui et c'est consensus layer là pour utiliser parce que mon dieu trouver les petits gens fait en pile moun gen moun yo pral hack à cause de bail ça oui gen côté yo pral dou stake Ethereum moun pour capable Ethereum 2.0 et puis moun n'a pensé son l'autre Ethereum donc c'est quoi son continuité de Ethereum c'est pour l'autre Ethereum qui a sorti. Yeah, that's it. Et gen zanmi ki pose deux trois questions, m devle pa question ça yo et qui concerne Bullpick. Gen zanmi ki dit comme ça qui ça qui Bullpick là et puis est-ce que $40 c'est chaque mois? Et Erickson. Yeah, Bullpick là son plateforme côté que et Bullpick divisé en deux, nous gagnons Bullpick Trading, son plateforme côté nous ba ou des séries de formations très simples pour mettre pour bon petit connaissances pour apprendre crypto, pour apprendre stock market là et pour apprendre trading. OK, les $40 le mois et $40 le mois nous pas au signal de signal le bas nous pas au signal crypto futures, nous pas au signal option, nous pas au signal mimi token. L'autre aspect Bullpick là, c'est Bullpick University hein, côté nous gagne une plateforme côté nous apprend nous de 0 à X, OK? Nous apprend nous in crypto, nous apprend nous stock market là, nous apprend nous crypto futures, nous apprend nous comment pour trade, nous apprend nous les charts là, les graphiques. Ça veut dire pour capable déterminer qui est pour rentrer et sortir dans un trade, nous le sa Bullpick University. So, yes, $40 nous te dit à c'est $40 le mois pour Bullpick Trading. Quand on a souvent rentrer dans Bullpick University, hein, et nous n'avons pas au prix pour rentrer dans Bullpick University, c'est $600 en seule fois, mais si déjà dans Bullpick Trading, nous sommes capables de rentrer dans Bullpick University pour $200 seulement. Oh, wow! $400 discount de mon Bullpick Trading. Avec des on nèg là. Est-ce que comme si nèg bon nombre de temps pour aller dans Bullpick Trading par exemple, si m'intéresse une ticket, bon m'entrer dans Bullpick Trading, m'paye $40 pour ça puis même moi tout aller mal prendre université à bout de $100 ou de $600, ça possible? Ça possible, grand monde fait sauver. OK, intéressant. En tous les cas, pour un million c'est chaque mois $40 et puis et quand comme d'azou et dans Bullpick Trading là, carotte là, yo cuit carotte là pour boire carotte là tout cuit. La Bullpick University, il y a un montant qui est carotte. Yes, cool. Parce que nous avons, parce que gens qui veulent rentrer dans Bullpick, ils disent que je n'ai pas de temps pour m'apprendre, c'est mon besoin, ils ont le consomme besoin de signal. Nous, comme on est dans Bullpick, on a besoin de signal, quelque chose, on veut un signal dans Crypto Futures, on veut un signal dans Option, et on a travaillé pour nous venir avec quelques autres bagages encore. Dans le signal, là, c'est ça, dit, pour les gens qui nous veulent, qui va comprendre ça. Signal, c'est, ou dit signal? Mm-hmm. Yeah. Signal, c'est un signal là. C'est trading, c'est une option ou soit fixe. Tu vois, l'on rentre dans le moi-même, je suis trader, ou même ou pas un trader, pas vrai. Mais ou t'as aimé faire comme, on dit ou t'as aimé faire comme pour améliorer le portfolio, ou t'as aimé faire comme pour investir dans l'autre et bagarre, ou t'as aimé faire comme
pour ajouter sous un compte qui va faire actuellement là. Nous bah aussi signal. Moi-même, l'aime faire analyse de un stock ou soit de un crypto, m'a prendre la position, nagel pour tout. Ou même ou je nous notifie notification sur Discord et c'est tout une quoi c'est Discord que nous utiliser Discord là son application lié dans style WhatsApp yo mais qui beaucoup plus performant de loin un message instantané OK dans le groupe Discord nèg yo et là vous voyez signal là ça dit yo yo vont notification du ah acheter stock ça rentrer là ouais ça me dit là pour même moi le faire vraiment et puis là pour sortir tout yo voyez signal ba ou yo vont notification yo tout sorti ou même tout pour sortir pas peut-être dit pour sortir non seulement nous là on target nous de mes côtés si l'idée ou capable commencer pas et si tout pas dans songer prendre profit par cette valeur tout immédiatement arriver là nous même n'a de contact nous même n'a pas de tout. Vous comprenez? Ça veut dire, si je sortis, je ne peux pas sortir. Vous comprenez? That's it. Je ne peux pas ni signal pour entrer, ni signal pour entrer, ni signal pour sortir. That's it. OK, bon paquet mon question qu'a posé là, nous parlons de question là et au fur et à mesure et mais nous devons voulons rester dans affaire Ethereum 2.0 pour définir fini et puis ce sujet là et mais Roland Pierre lui poser question ça, Sovnel, est-ce que zanmi a ka référer nous une formation qui permet au monde vinn développer web 3.0, ça troisième génération internet ça et au monde qui t'a venir nous développer qui développer application pour lui ou bien d'app application décentralisée et est-ce qui formation même ou te suivre. Et puis comment on monte à former dans ce sujet ça? Bon, en fait, moi pas bon en référence exactement, même quand bon pas faire cas du comme si qui comme si quelques étapes ou ta chose et qu'on se suive si vous voulez devenir un développeur blockchain. Parce que avant même ou venir développeur blockchain, faut qu'on ait qui soit voulez, mais qui part vous voulez spécialiser parce que nous pas de web 3.0, c'est tout ça qui a rapport avec comme si UI web et comme si cap exécuté comme si qui tout on a ouvert donc blockchain là même si vous voulez développer sur blockchain là sont l'autre filière liée donc c'est l'autre faire web 3.0 et pour faire blockchain et comme si moi qui a développé application sur blockchain directement à savoir avec Solidity avec Ross comme si pour Solana donc il y a même fait application ça mais pour comme des mortels n'ont pas qu'à utiliser donc on y a la fond cap accès avec comme si blockchain là à travers comme si web ça n'a pas utilisé là donc là on avec web et comme si des librairies web 3 qui permet comme si on connecte avec blockchain là donc il y a mon qui spécialisé seulement dans web 3 donc qui vient faire comme si on connecte à blockchain là et permet comme si on fait on crée interface comme si manipuler comme si smart contract donc on y a même où t'as aimé faire pas développer blockchain là. Premièrement, ou si vous êtes comme si pour une base programmation. Ça, c'est sûr que vous à long langage, sont pas comme une base programmation, à savoir aussi logique des bases. Et comme on va gagner comme si sous même là, comme si des références sont tout là. On gagne, oui, mais il n'y a pas en bas même là, on va tout là, on va tout faire ça après pendant ma discipline. Donc, qui permet d'entrer dans base programmation et puis pour apprendre, soit choisir qui blockchain vous voulez. Comme si commencer, ou quand vous commencez avec Ethereum, qui est majorité et développeurs commencent avec, pas pour rien, parce que l'offre n'a pas développé avec Solidity, il vient une bonne possibilité de développer sur Solidity. C'est langage que vous utilisez, code que vous utilisez pour développer Ethereum, non, vous ne pouvez pas connaître. Ethereum. Donc, Ethereum, nous connaissons une pile blockchain qui copie, comme si vous avez sa fork, qui copie code et base Ethereum, qui fait propre blockchain par eux. Donc immédiatement, quand développeur Solidity ou quand déployer un smart contract sous Ethereum, ou venir quand déployer sous Binance Smart Chain, sous Polygon, sous Arbitrum, sous on pile sous Avalanche, sous Avalanche, c'est tout. Avalanche, étant donné que chaque blockchain ça y est, il y a essayé porter des nouveautés, faciliter les actions plus rapide. Donc qui fait un écosystème derrière, il y a quoi là-dedans, comme si dans plein d'entreprises qui utilisent. Ou même log, il y a une possibilité de développer pour toute blockchain à partir d'un seul langage ou très stratégique sur le marché. Très demandé. Yeah. Donc, on y a là, si tu as décidé de faire, on va orienter vers Solana, vers Luna Terra, obligé d'apprendre Words, son langage de programmation, qui est pour moi comme si bon qui ne peut pas rentrer dans la programmation, qui n'est pas plus difficile pour nous. Mais si tu as une base de programmation déjà, on va faire assez rapide. Solidity pas facile parce qu'il facile long
mais il est plus comme si il est plus lisible. Comme si l'on a la portée. Est-ce qu'on soit plus anglais ou plus calibre? Et voilà. Donc, c'est soit commencer, premièrement, tu as conseillé, prends base algorithme, algorithme programmation, après, tu as apprendre solidité. Donc, si vous-même, vous avez focus ou pour travailler pour le monde qui a fini créer un NFT, qui veut comme si connecter avec une interface web pour le monde manipuler, pour le monde maintenir, on soit fini créer un smart contract, ou voulez qu'on s'y bat une possibilité pour interagir avec elle. Ou ka ou gen tou ver web 3. Donc là, on a des librairies JavaScript, Python, ça dépend des langages puissants ou à l'aise. Hein? Ou ka décider développer et avec sélectionner une librairie qui bon pour se pointer avec les blockchains là et pour commencer à démarrer. Donc il va pas dans pile travailler ça, mais il juste mandé pour ka comme si orienter tête tout de façon à ce qu'on qui bon ou grave parce qu'on pas faire tout une balance, on va faire tout balance seul coup pour ka ou ka plus perdu. Moi-même, je fais tout un full stack parce que je suis dans full stack dans Web 2. Donc, c'est plus facile que mon full stack parce que c'est, pour moi, c'est une librairie que j'ai utilisé en plus. Il n'y a pas de différence. D'accord. Je comprends. Mais est-ce que. Je me dis, est-ce que vous avez mis Zamien et Sovenel et Baudry pour monsieur ta vin avec une formation? Et pour les gens qui veulent développer sur blockchain. Parce que nous connaissons, et sur Redbush, nous pouvons parler de partie investie. Hein? Bien que même, en pile, nous disons, nous disons, faut nous développer, faut nous venir avec l'application par nous, parce que là, son opportunité, Babi Moustache, surtout que nous avons un cop pour les gens qui ont un projet. Et si vous avez un projet, vous allez avec un projet, de vous commencez à coder, ou bien à faire coder, ou aller ouais n'importe quelle plateforme, ça, Avalanche, Polygon, Ethereum, etc., Ethereum, Luna, tout le monde, vous avez un cop disponible comme si pour Babi Moun, parce que vous avez besoin de développeurs, venir développer l'application pour Babi et token, ou bien coin, vous avez plus d'importance. Ouais, ça me besoin sur le marché. Donc yo prêt pour comme si pour investir dans projet là et haïtien toujours a dit c'est quoi ba rien ba c'est là c'est rien comme yo t'a champion déjà bagaille mais mon côté là y a bail comme gratis ti chéri connait là c'est mettre brain nous deux trois petits jeunes mettre tête ensemble mais connait là faut qu'on développer haïti connait faut gain brain faut gain idée tout faut créatif donc et qui ça nous penser là afa nous m'a parlé exactement nous même quand ba live là est-ce que nous t'a aimé que Zamien vienne avec un cours sur blockchain pour nous soit sur programmation blockchain sur développement blockchain comme si pour t'a apprendre ça ou bien t'a venir avec plusieurs cours sur différents langages ça est-ce que nous t'a aimé ouais ça parce que si nous pas aimé ouais ça si nous pas si ça pas intéressé nous OK donc Zamien pas besoin à perdre du temps à faire ça et mais si ça t'a intéressé nous s'il te plaît commenter en bas live là et ta nos amis tout nous connaît qui t'a intéressé pour venir dire oui t'a appelé ça moi ça me besoin pour Zamien car ouais que gon intérêt gon engouement moi ça me besoin si gon engouement pour nous même qui apprendre et on partie dans temps il t'a investi temps lui pour ta créer une application et pour ta créer coup pour nous et soit penser souvenir on penser son bail si ouais nous intéressé ou qu'a fait ça pour nous bon moi même personnellement mais toujours prôner éducation même là comme si c'était de façon gratuite toujours partager mais logon un modèle structuré pour tout camétier des formations bien structuré pour mon cabine suivio ils avaient encore mieux et moi même c'est tout un plaisir pour moi pour me partager toute ça en tête moi parce que bah bon c'est une raison même qu'il faut ouais je dis un club il y a blockchain qui crée parce que c'est toute ça en tête moi yo il y a un moment comme si une descente si me pas partager yo sans pas une communauté ensemble avec donc et moi c'est après nous parler des initiatives qui est expliqué hein donc qui nous fait sans communauté pas rien et pour nous créer communauté nous obliger comme si rassembler tout le monde et puis former monde autour donc opportunité on là ne pas apprendre sans pas apprendre rien pour nous apprendre that's it et en forme so et en plus question là belle idée en plus monde dit correct ouais en besoin la formation en physique pour monde c'est domaine YouTube quand monde demande formation en physique virtuel comme c'est en présentiel pour c'est demande ya gars en plus demande en plus monde intéressé en plus monde intéressé ouais nouveauté yes etc en plus monde en plus belle idée etc OK so en plus monde commenter là et gars monde nous connaît qui très passif qui vient qui pas forcément commenter so et n'a continuer avec Ethereum 2.0 hein? Et tout ça nous besoin connaître ce terme de besoin mais avant venir sur Garnier et Sovenel et qui contact ou sous monde appeler notre contact ensemble avant c'est mon écoute sur Facebook ou bien comme si un second bail oui nous d'accord peu normalement moi disponible sur presque toutes les réseaux sociaux sur JS Baudry même pour écrit dans là c'est JS Baudry soit sur Twitter Facebook
Et tout connaissez JS Baudouin. Et même Mais pour voilà, là, mettez là pour JS venir. Ouais. Baudouin.github.io. Donc, derrière, il y a des là, on a tout travail fait et tous les liens réseaux sociaux. Et si depuis, on voulait pour la thème, ou car je suis pas thème là. Yeah, maman, c'est mon tout gain ça les Haiti Blockchain Haiti Blockchain Alliance. Ouais, ça me veut dire qui lancé là. Ou capable parler mon un peu rapidement de lui avant moi Yeah, sur grand. en fait, c'est une organisation, une club, mais on ne va pas mettre des termes pour ne pas conseiller pour détacher. En fait, son communauté. Son communauté côté nous regrouper, nous regrouper, nous, parce que y en a, ça nous a remarqué. Nous avons remarqué qu'en plus de communauté qui a créé, en plus de communauté, il y a tout qui vient gros tout, mais focus là, n'est plus porté vers crypto-monnaie. Donc, pendant ce temps, crypto-monnaie en soi, pas gagné de mal là-dedans. Mais si nous faisons 10 ans, n'a pas parlé des crypto-monnaies, n'a pas parlé des crypto-monnaies qui ont monté, qui ont baissé, vous mettez bien les mains, n'a pas regret. N'a pas regret Yeah, parce parce que que. vous pas bonne application. Parce que blockchain, plus que ça. Crypto-monnaie, n'a pas parlé, hein, comme si tout ça grave, comme si financialisé. C'est un élément, son produit des blockchain. Donc, on y a C'est là. pas blockchain là forcément. Exactement. On avait essayé de regarder comment nous avons enrôlé plus, faire plus jeunes intéressés avec blockchain et créer des produits sur blockchain. Pas seulement consommer, j'en ai habitué à faire, mais créer des produits. Parce que 10 ans, on a regardé un décalage en environ 12 ans. 12 ans, très très jeune. On a regardé l'Internet qui a démarré en 1990-91. On regarde des compagnies comme Google qui viennent positionner en 1998-2000. Facebook vient en 2004. Comme si c'est des compagnies qui étaient positionnées très bonheur, mais je dis là, ils ont bien chita. Même j'ai un peu pas de parler de eux, mais qui sont très bien chita, mais qui sont très bonheur dans Internet. Mais je donne une possibilité. Et rien de fait Internet, nous ne pouvons pas faire là encore. Donc si nous prenons le bonheur, parce que tout en plus, nous sommes buzz, nous ne pas comprendre là. Mais si nous expliquons, nous faisons comprendre l'opportunité, tout ça qui est derrière blockchain, nous pensons. Et nous pas obligé de focus nous seulement sur crypto-monnaie. Donc, de là étant, et Haiti Blockchain Alliance, c'est ça lié. C'est réunir nous tout le monde ensemble et puis bâtir chaque monde et ont idée des différentes catégories, différentes filières. Et de là étant, aux jeunes qui ont choisi de dire, waouh, regardez-moi appliquer ça dans l'agriculture, bon mal là quand même, bon mal gars par là avec comme si communauté pas maintenant, bon regardez comment. Nous avons pris tout ça qu'on a fait dans l'agriculture. Nous avons regardé si blockchain n'a pas capable plus là-dedans. Même si nous avons l'éducation, nous avons la santé, excusez-moi, bon bruit, on peut faire la discapacité de la. Et donc, chaque filière, ça y est, l'on a possibilité pour former les gens, par-ci, par-là, notre pays, et on peut être connecté, quel soit où ils ont été. On est qui Jérémy Jotin, c'est tout ce que vous dites, nous ne connaissons pas. La biscuit avec nous, la parle avec nous, la former, nous ne pouvons pas apprendre. Donc, de là étant, il a proposé des bagages qui dépassent l'entendement. Donc, je pense que c'est l'objectif, ça, nous créer. Et grâce à avec les supports, comme si une blockchain qui nous en pile, c'est là. C'est là, c'est une première entreprise, comme si c'était une organisation qui est présente, disons-nous, la marche avec nous. Et je disais là, il n'est pas seulement dit nous la marche avec nous, mais là, accompagner nous, la porter voir nous plus loin. Donc, aujourd'hui, nous avons un panel qui était fait avec nos formations, nos formes qui étaient faites et qui étaient en association avec l'ambassade Haïti en Washington. Donc, c'était là, dès là, parler de tout ça, le capoté, tout ça qui vient à Haïti, tout ce qui vient. Donc, de là étant, c'est nous-mêmes qu'on y a là qui était pour nous dire, OK, mais ça, nous voulons faire. Parce que vous allez mettre dans la main, nous voulons dire, OK, mais fait. Si nous ne venons pas à l'initiative, nous ne pouvons pas venir avec projet, nous ne pouvons pas venir avec rien. Nous avons fait 10 ans, il a regardé nous, il a regardé eux, et puis il a juste senti son perte de temps. Nous, ma vie, ça a changé, ma vie, mentalité consommateur, ma vie, nous basculer pour nous tourner créateur vite. Parce que nous sommes capables. Et il y a un problème. That's it. That's it. Et m'daime m'm partager quand avec mon yo là pour mon yo kawe l'en aller sous CoinGecko, OK? Là, les sous CoinGecko, n'a pas comme si ça avait les Stellar, et XLM, c'est une co-compagnie. Et Stellar bon, Mintz. XLM. OK, Manny, Stellar, OK? C'est une 31e crypto qui a plus market cap, 5,6 milliards de dollars.
OK, là on a parlé, c'est parce qu'on parle des moments, on a parlé là qui rejoignent Haiti Blockchain Alliance. C'est un gros compagnie qui vaut des milliards de dollars, OK, en market cap, OK, qui gagne volume de transactions pendant dernier 24 heures, 470 millions de dollars américains qui a changé mais OK, mon cap acheter vendre c'était là. Actuellement la prix entrée très intéressé là la 22 centimes. OK, donc c'est une comme si non gros tonton 31e crypto qui gagne plus valeur dans le monde là actuellement là, OK, qui rejoint Haiti Blockchain Alliance qui rentre dans logique là qui associé non avec Haiti Blockchain Alliance. OK, le branché académique pour rentrer dans l'alliance là tout et de même tout être branché, OK, en la personne de Charles monsieur branché avec le branché académie, OK, nous rentrer dans Haiti Blockchain Alliance et tout le monde comme si qui a communauté. OK, et par exemple, si monsieur Crypto News Haiti, m'a parlé avec Negio, OK, et par contre, si vous rejoignez déjà, même beaucoup parlé avec vous, OK, avec tout le monde qui est dans la communauté, qui est dans le domaine crypto, rejoignez Haiti Blockchain Alliance, c'est à côté que Haïtien pour nous mettre tête ensemble, OK, pour nous pas seulement rester là en tant que spectateur de sa de technologie, ça qu'a fait là, mais pour nous capables de venir là à tout et un bon joueur. OK, et qui vient à créer, qui développer bagaille pour blockchain là. Et Galia, on dit m'a retourner sur Ethereum 2.0. Qui ça on pense de Ethereum 2.0 là et pour qui raison parce qu'il y a besoin de changer de proof of work à proof of stake là. On devrait définir ça on veut dire proof of work avec proof of stake. OK, so et qui sont pense qui avantage gain ou bien qui inconvénient qu'il gagne tout. Et en fait, Ethereum 2.0 depuis Ethereum t'est créé, Ethereum créé avec donc t'es gon rapidité. Rapidité, c'est que tu as un vide pour te combler. Donc, tu as essayé de combler li par rapport à Bitcoin qui pas qu'à scale. Et j'ai développé là. Et puis, Bitcoin pas qu'à créer smart contract. À l'époque, les négociants ont essayé de créer Ethereum. Et puis, Gavin Wood et Charles Kenson. Et puis, Vitalik, négocié ensemble. Plus que Claude Monaco. Et puis, négocié de créer Ethereum. Quand on a créé Ethereum, c'était. Première idée, c'était de déboucher sur Ethereum classique. Ethereum classique, pas de carte scale. Donc, on a associé Ethereum classique à Ethereum. Et puis, qu'on a là, Ethereum toujours un problème. Et dans le sens que, non seulement frais gaz, il y a trop. Et puis, blockchain dans tout, il y a quelques petits barrières que on n'est pas satisfait ensemble avec eux. Il pose des problèmes des fois en termes techniques. Qu'on a au vin, c'est bon. Et il y a quelques améliorations qui sont faites pour que le système soit plus fluide. Eh bien, il faut que vous passez de Ethereum à Ethereum 2.0 pour que vous puissiez plus sécuriser le système. Il faut que vous passez de proof of work à proof of stake. Ça veut dire preuve de travail à preuve de danger. Preuve de danger à passer de Tebayo parce que la majorité de monde remet Ethereum. Donc, plus que vous remet Ethereum, leur stake est maintenant ou un système plus sécurisé. Et moi, c'est que un frais gaz à tout pour diminuer parce que qui côté frais gaz en plus aller, c'est dans mes minéraux là. Ça veut dire plus que c'est minéraux qui fait quantité comme ça dans frais gaz pour les actions exécutées. Donc, dans proof of stake, bien ça. Là, qu'on est là, c'est ça qui fait et mineurs, même pas vraiment content. Dans la période de ça, ils sont licenciés pour aller perdre job pour un petit temps et pour aller switch sur l'autre technologie malgré qu'ils aient besoin. Et il y a des gens qui ont des machines qui pourraient soit virer sur Bitcoin ou bien virer sur Ethereum Classic. Et ça fait Ethereum Classic, c'est nous parler important parce que mineurs pour aller miner. Donc, il y a plus de traders qui ont besoin, il y a plus d'activités qui peuvent faire la donne. Donc, on a Ethereum Classic qui est important. Mais avant, moi, je ne peux pas être utilité. Ethereum 2.0, et est-ce que c'est un bon bagage? Est-ce que c'est un bon bagage? Je pense que la mieux que ça n'y est là. Et dans le sens que je pense que Vitalik prend pile de temps pour ne pas faire erreur. Ça veut dire pour côté côté sortir, pas plus bon que côté le bradé. Je pense que monsieur intelligent en pile. Donc il prend pile de temps, mon steak pour en pile de temps, il est patient, il y a ton et de Beacon Chain. Qui c'est bon, qui c'est qu'on s'appelle les nouveaux chaînes non, et que Ethereum a bâti. Je pense que pour steak après faire Ethereum vient plus cher. Pour la simple bonne raison, quantité a au lieu que lui augmenter, elle a diminué. Il y a des gens qui parlent jamais comme ça que quantité Ethereum qu'on n'a pas limité. Ça veut dire non, Ethereum qu'on a illimité. Ça veut dire tout le temps Ethereum a grandi, a grandi. Chaque jour, il y a produit là. Il y a plus qu'on vient sur le marché. Mais il y a plus de tout. Exactement. Il est illimité. Mais après, Ethereum passé de Ethereum, ça nous gagne là à consensus layer. Ou pas le gagner, non blanc, au lieu que l'augmenter, l'a diminué.
Donc, je pense que ça pral aider prix Ethereum monter plus haut pour moun ki gen Ethereum dans portfolio. Ça veut dire faire plus comme dans consensus layer et laisser tout majorité moun pral stake Ethereum yo. Ça veut dire quand c'est Ethereum qui en circulation. 10 à 15% nèg yo di ap bay. Exactement. Non. 10 à 15%? Il y a 10 à 15% Ethereum. Ah bon, si yo bay 10 à 15%, ça veut dire n'importe 70% moun ap stake. Donc ça c'est garanti. Smart money, big money yo pral, yo ka travay, yo ka kite Bitcoin yo travay dans Ethereum ou bien les gars qui doivent comme si rebalancer portefeuille li parce que exactement. Qu'on a on est que gain, on est que gain 100% Bitcoin ou bien 90% Bitcoin, 80% Bitcoin, il ka fait 50-50, il ka fait 60-40, yeah. Parce que Ethereum a pris un grand player parce que marché NFT ya c'est la même Ethereum jusqu'à présent. Exact. NFT c'est les gars plus développés et Ethereum c'est les gars plus développés tout plus développés plus applications, ok, et en plus le monde qui pas développé sur Ethereum c'est à cause de gaz fiant, en plus le monde qui a les sons de leur chaîne c'est à cause de gaz fiant, les gaz fiant va réduire à 99% tout, mais l'autre bail qui gagne avantage Ethereum gagne c'est que leur first mover dans le market et ou gagne avantage ça ou après négocier tant tellement gain cob dans crypto monnaie et gaz a pas vraiment dérangé. Vous regardez combien de cobs vous capable faire parce que grand pile si l'autre bon m'a dit malheureux dans sens ça grand pile malheureux pas Kevin là et nous ca jouer là ça veut dire que profiter qu'un cob là tout ça fait conseil des coins projet là sorti nèg là capable avant nèg qui grand pile cob là dit ah moi j'ai pas la dans BSC non parce que tout là dans une swap de quelque chose chez lui d'avoir ramassé nous mêmes donc nous même est-ce qu'on comprend ça m'a dit là ça dit nèg là paye 1000 $ fraise 1000 $ bon bra fait 100000 $ ça va déranger mais l'autre dit on peut pas rien comme normal il va payer 1000 $ frère mais là dit tout bye bye ou ça me dit non mais ça fait quoi qu'est-ce que j'ai réussi sur Ethereum qu'il réussit sur n'importe l'autre chaîne même moi m'a veillé de près là et écosystème Solana parce que frère tellement banal et puis négo tellement pas avancé bien son système qu'a venir Solana m'a pas menti même bon. C'est une blockchain pour commencer comme si modèle mécanisme est différent tout c'est proof story donc il est différent ni proof of stake ni proof of workland parce qu'elle est ni pas il basé sur comme si sur time step sur le temps pour archiver comme si archiver et comme si contenu bio il fait plus rapide sans le pas comme si le temps pour les propres validateurs qui vont entrer en jeu quand transactions sur la café dans un seconde exagéré et non frais... mais Ethereum de Brésil on a parlé de on question de 100 000 transactions à la seconde tout 100 000 transactions Ethereum de Brésil donc oui, là c'est de ça à parler immédiatement que négo switch et négo la test net là il y a pas plaisir test net là marche correctement là pas de problème mais mettre que développeur et tester Ethereum de Brésil ça jeune sauf non comme si c'est pas bien c'est même Ethereum non. C'est ça, comme si on comme si on a ça pour perdre le cas, retirer logique, comme si on a un cap. Mineo, caboulé. Donc, on peut faire un peu plus rapide. Probablement, on est contre qu'il aime, sauf qu'il aime tout le bloc, c'est résoudre, qui c'est décentralisation, scalabilité avec sécurité. Interopérabilité, tout. Exactement. Tout le bloc, c'est une offre, c'est résoudre, il aime ça. Mais Ethereum, comme mon précurseur, il fait ça avec propre succès tout parce que c'est lui qui était là avant donc qui vient faire nous montrer un cap courir pendant qu'il y a courant faut fond l'autre là dedans c'est dit il y a exactement pas pour camper pour redémarrer c'est pendant la courir pour tout il y a plein de choses pour gérer là parce que pour voler tout ça tu viens sur Ethereum je dis hein donc pour dire pour changement ça fait faut pas même sentir et sous sentir c'est ça que fait beaucoup like just like dès vous sentir on sentir panique vous êtes problème donc tout là qu'a écrasé donc c'est vraiment bah ingénieur qu'a fait là et même personnellement très bien dans l'intérieur même l'aime pas développer pas déployer ça sur société comme parce que par rapport avec comme des solutions même matériel sur yo plus aller vers comme c'est scalabilité comme si pour mon utiliser de façon rapide mais avec Ethereum de Brésil ouais sur la pensée que ça a changé c'est ça maintenant des fois l'objet on produit l'effet qu'on va dire en faire sur Ethereum pour mon utiliser aller ça va intéressant la manquer monde mais l'Ethereum de Brésil vini libre à faire comme si libre aussi cheap
qui est polygon, ça fait polygon pour finir avec comme si blockchain, ça c'est presque free. Pas plus free, vraiment, mais comme si. Oui, mais gars, c'est tellement bas, comme si même avec polygon, c'est 500 payés pour transaction. Donc, de là étant, pour ne pas mourir, l'obligé de considérer. Mais tu sais, pas c'est que pas arriver notre projet. Ah, mais Garner, il parle avec Bullpick Trading. Tu sais, pas c'est que pas arriver notre projet en termes d'investissement. Par exemple, pour Polygon, et Avalanche, etc. L'autre layer. Parce que, en fait, en publicité, Gatsby, Ethereum, Shay, ça fait un peu le monde traverser sur eux. Par exemple, Binance, Avalanche, ça. Et Game Moon, c'est pas comme ça aussi. C'est pour Gatsby. OK? Mais quand on a la signe, Ethereum 2.0 à Gatsby, il est très bas. Et qui a venu l'autre projet ça? Oh, est-ce qu'on a là? Est-ce qu'il y a l'autre? Est-ce par exemple, est-ce que pour pas don pour ça besoin? Qu'est-ce que ça nous pense? Non, qu'on y a là, il va le faire plus et plus publicité. Il va le aller plus développeurs là qu'ailleurs. Ça veut dire si on t'a payé tical comme il a venu payer plus comme, puis aller parce que c'est qui est-ce qui vient à Mounio? C'est Moun qui vient avec idéo. C'est Moun qui vient idéo et qui vient à Mounio. Qu'on a grand projet par exemple, grand projet moi sur Solana là. Nego fait sous Binance et plus sous Solana. Ou elle passe sur Ethereum. Mais projet ça, zami, m'bra cité non là. Parce que m'a tellement un projet, m'bra cité non là. Pour ça, m'bra faire mouche dans l'année qui a venu. Ok? Lire le step N. GMT. Lire le step N. Pour ça, m'bra faire mouche, si monsieur, et quel que soit côté de l'IA, t'a fait mouche. Ou compte pour ça? Nan yon année, moi, m'sonne qui m'en couru, c'est ça que m'en donne ça au mal bas ou là. Nan yon année, non seul état dans les États-Unis, a bien plus que 1000 marathons. OK, donc si vous prenez un pays comme Taïwan qui connaît bien plus que 100 marathons par année, si projet ça, ou achetez un NFT qui sont tennis, ou ap courir au Pérou, ou courir, par contre, il y a un gars courir toute la nuit. James, moun se teaser, imagine, il y a un Pérou pour marcher, James, il peut parler de pas en santé. Donc, il y a un non, imagine, et qu'on est là, qui ça n'est que dans la tête, yo? Pour moi même n'ego pas besoin aucun partenariat pour projet à marcher. Yo besoin seulement joindre un groupe côté qui fait sport, qui fait athlétique et puis parler ou des projets à dire. Yo dire ça la bonne maquette la descend dans projet ça lui même ni monter 37%. Ah projet ça qui l'a piqué monter là, ça pas dégage, ça pas déranger le même. Mais sous Solana avec Bagdel là. Et puis moi même tendez, c'est pas prix qui intéresse, non, on va parler des projets ça va le gars et James. Ça c'est pour y assez comme la fait mon fait mais importance projet et puis idée derrière projet moi le monde tout ça quoi arriver nèg c'est tennis sur fait pas vrai Adidas gagne tennis Nike gagne tennis ASICS gagne tennis et ça comme New Balance gagne tennis nèg pour qu'on rentre dans bagage ça si nèg rentre dans bagage ça connait là au lieu que wa chanter tennis simple li gon max sou li lokou a tennis ça fait plus comme toujours ouais attendre l'école pas la gagne dans bagage ça l'école pas la moi même position là c'est que dame de temps qu'on fait exercice en remet courir chaque matin. OK, position là c'est faire $50 chaque matin. $50 chaque matin juste pour dire ça, pas faire $50 par jour dans courir ça marche. James, ça va rien non bah tu ca faire $100 oui. Moi seulement mon poule moi tennis sont bien cher mais pour faire ça en fait bon m'expliquer pour mon cap coûter yo ou acheter un sous que trois tennis James ou ca faire environ 23 GST regarde GST regarde pour GST sous que trois tennis comment yo faire c'est que ou gon tennis ou ca quoi avec un tennis non et ou ca quoi avec trois tennis laisse ou venir plus énergie ou ca quoi avec neuf tennis ou venir plus énergie toujours moun ki gen en deux énergie seulement qui gonsel tennis li capable faire environ 8 à 13 GST par chaque lèl kouri et chaque lèl kouri a 10 minutes j'aime c'est pas bon paquet temps non non 10 minutes pour n'a capable faire $50 OK dépendamment des prix qu'on n'a vini bon pour qu'on est là dans 10 minutes moi même moi fait environ $40 par jour mais le monde pas capable en santé non là je cap vini là c'est là du projet ça si tout le monde moi j'aime connait grand pour monde ta cap courir si nèg yo kon projet ça moi si m'ta on la mal dans stade là et puis me parler nèg de projet tout nèg t'a acheté le même côté bon c'est parce que James montre nous groupe chinois base gen chinois qui te travail pour faire base ça. Les gars, vous dites pas là, les gongs, les gars, vous dites, c'est tout un monde à exploiter.
tout le monde pense là n'a pas regardé ça qui pique courant yo mais en 20 ans c'est parce que c'est même projet non pilote bagay ap vini en pile de bagay presque tout ça n'a fait ou là qu'on est presque tout ça n'a fait ou là yo pral sur blockchain non et yo pral venir faire pi bien parce que c'est avantage ça qu'on gagne c'est corriger n'a corriger c'est ça que Salomon te dit rien de nouveau sur le soleil me pense pratiquement c'est ça c'est ça que tes systèmes là n'a mettre sur blockchain là vinn bon bon même tout bon l'autre projet encore James pendant le passou rien pour s'il pas sur radar ou pour regarder gros projet que le SPI bah comme ça SPI pas tant qu'au Amazon d'ailleurs là il permet qu'on peut acheter ni sur Amazon ni sur eBay ni sur l'autre bagage en crypto shopping.io shopping.io yeah Li tout prend ça. Ça veut dire ça va pas le permettre que on gagne crypto, on pas besoin penser à dollar. Ça gon mal qu'a passé là James. Par contre, tu comprends. Donc malgré prophétie pas des États-Unis a perdu puissance li non, mais et d'après ça moi Chine, la Chine a fait d'ap dédollariser tête li avec yuan non. Et là aussi la jeune homme au moyen là pour dédollariser tête li et puis pour no turning back. OK et Brésil gagne la jonti politique là pour l'acheter un paquet de UN là comme si pour gagne plus rapport avec la Chine. Non, et... mais tout le monde a cherché on l'autre solution. Pour l'autre alternative, même pour l'alternative. Même pour qui sont les États-Unis là. Les États-Unis. Et bien avantage pour peuple là, oui James. Avantage pour peuple là, oui. Moi je vais montrer, là me dire avantage pour peuple là, ça veut dire nous même qui connait crypto, c'est avantage pour nous. C'est crypto là puis oui James. Ah, il y a monde qui parle de ça avec monnaie la Chine tout côté non James. Ou pas besoin de mettre ça dans tête non. C'est crypto la pied. C'est stablecoin la pied. Ça nous pense de UST cap ça de. Donc une question là, nous parlons de question tout à l'heure. Ça nous pense de UST qui a backup avec Bitcoin. Nego prévoit pour acheter pour 10 milliards de dollars Bitcoin dans balance sheet yo. Nego dispose de 3 milliards là à un moment, nego a acheté à longueur de 100, 125, 130 millions de dollars à chaque fois a acheté Bitcoin, c'est une raison qui fait Bitcoin tapé ou déjà monter là avec ouais Bitcoin là retourne à descendre encore. Mais et là nego backup UST qui c'est un stablecoin qui one avec dollar américain et qui ça nous pense? Nous pas penser comme si ça va le faire comme si projet ça faire plus confiance toujours et puis il va même passer devant USDT. Exactement. Parce que je dis sans découper. Je dis rien un petit problème qui vient je dis avec comme si USDT qui c'est un stablecoin mais qui endosse sous dollar et qui lié avec comme si réserve américain. Il y a un petit genre doute comme si à tout moment américain doit décider de couper ça. Donc regardez tant coup d'ail des stablecoin qui backé par l'autre comme si par Bitcoin par Ethereum. Donc est-ce qu'on mettait on est derrière Ethereum, nous on est dans plus Bitcoin derrière Ethereum, qui vient jouer derrière une backé par Ethereum, ou pas qu'à bloquer. Donc c'est le même process en tout, US a fait là, lui a backé tête par Bitcoin qui c'est on met dit que c'est monnaie qui personne pas qu'à bloquer. Donc c'est les États-Unis ont décidé de la passer et propre monnaie pas là. Lui qui a décidé de shutdown tout l'autre ça qui en concurrence avec bon, il pas quoi la va faire tout non mais il potentiellement okay, lui faire mais on va au moins on est qui doit fou et il pas trop comme une barre et puis il prend pour des décisions ça. Mais qui me pas quitter le faire là. Dans ma vie. USDT ou ca censure USDC ou ca censure. Mais là ou pas ca censure parce que lui même considéré basé sur Ethereum qui déjà décentralisé. Encore qui basé des bitcoins qui déjà full stabilisé. Donc c'est tant plateforme qui a backé tête avec des coins qui pas dépendent des gouvernements. Donc c'est plus confiance et puis il peut ça pour toi à la tête. Exactement. Il y a clever coaching. Il y a bon achat tu parles et je pense que ça te refaire ce n'est que le commencement. Ça veut dire ça veut dire nous pas supposé et en fait comme pour commencer nous t'es obligé de passer par là. Pour nous courir crypto-monnaie avec vieux fatra nous gagnant. Et bon, si je parle des papiers,
bah nous en première l'argent monopole y a pas nous et nous bah non ça veut dire tellement ouais l'ancien moi même tellement ouais l'ancien et ça fait me pour moi crypto monnaie c'est évolution de l'argent donc c'est n'a pas assez de ça qu'on a là donc on l'est qu'à privé nous pas besoin ça du tout parce que grand pile monde qui dit bon qui est important c'est là c'est que les obligés qui par rapport à qui sont évalués bitcoin par rapport à dollar par, donc si pas un bitcoin n'est pas un problème ça dit dollar toujours été important donc c'est lui qui bâcle donc là c'est ça nous va changer narratif ça par contre combien de temps la prendre et si on parle de ça en pile dit nous qu'à prendre 10 20 30 ans même penser que c'est narratif ça cap changer si l'autre coin you fait même bagarre là l'autre c'est beaucoup nous fait même bagarre là you back you par l'eau you back you par bitcoin you back you par argent back you par ethereum you back you par exemple peut-être Solana à un certain moment où qu'arriver c'est Solana ah monnaie ça va plus solide mon a plus faire monnaie ça en confiance mais attendez mais qui ça va le porter pour nous James ou pral ouais si ou pas dans crypto c'est comme si ou pas vivre dans monde là donc qui sont vieux l'argent ou était sous li pral un petit gens disparaître ils conseillent d'activité qu'ou pas pas faire James vous êtes d'activité qu'ou pas pas faire mon pral qu'on est là mais c'est qu'on est venu remarquer ça James soit tout en m'a parlé des crypto j'étais tellement remé comme si idée dollar et c'est qu'on est venu remarquer les m'a pas acheté ni Solana yo moi tennis dans cher ou qu'on pour ça parce qu'il m'a pas grand pile Solana on est qu'a pas acheté tennis là pour 13 Solana il te gain 2000 Solana li ouais c'est n'est rien au 2000 Solana ça pas coûter le $2000 attendez bien qu'on est même acheter ça l'écouter 13 Solana faut que moi prend environ et $1,600 pour mettre dans tennis me dit waouh tennis en cher mais c'est pas en réalité tennis en pas cher tennis en pas cher c'est avoir presque la valeur du début au départ attendez mais c'est là on finit comprendre tout James là on est capable choisir NFT par exemple il dit l'acheter pour 150 Ethereum. Ouais, mais mettez demain en tête, mais 250 Ethereum. Mais pas oublier, 150 Ethereum, ça te gagne pas que d'un glace $150. Carrément. Living capable de faire. Living capable de faire, c'est parce qu'on pas mettre tout dans le monde. Mais qui achète ça? Tenez bien, mais qui gagne 150 Ethereum, qui te coûte le $1,000,000, il ne doit pas vouloir acheter NFT. Ça veut dire que c'est pour montrer que le narratif a changé et on peut arriver à un certain moment où on est qui gagne l'Ethereum, non, on peut le temps qu'on gros bourgeois qui a ouvert le corps, d'ailleurs c'est conservé pour Bitcoin. Et pour on est qui a ouvert le corps Dubaï, c'est dans Bitcoin, les riches. Suivez ça pour nous. C'est ça pour nous. Gros nouvelle classe. Mais il y a longtemps, depuis 2013 ou 2014. Gros nouvelle classe. Ok, on a une question pour nous là. Qui gagne le Bitcoin, qui gagne l'Ethereum, qui gagne le Cardano, qui gagne le Solana Pocho, et puis ça, on connaît. Exactement. Jonathan Fleurin, question par Mjodi. Est-ce que je peux changer email moins sous code Binance là? Gagne. Est-ce que je peux changer email? Je peux changer mon téléphone. Il n'y a pas changé, mais il faut toujours comme si il y a un lot pour faire validation, vérification. Ou capable de changer, ou pas supposé qu'à changer. Et Gozo me dit ça, est-ce que nous avons un groupe WhatsApp pour entrepreneuriat? Nous avons un groupe Discord quand nous parlons Club VIP Investisseur. Nous avons un parti public et puis nous avons un parti privé. Le parti privé, c'est pour nous qui est le club Mayo qui paye. Il a payé $39 le mois pour le club là. Et pour nous accès avec le club là, côté que moi-même partager, côté m'a investi, même personnellement. OK, moi dis pas parler de crypto monnaie seulement, parler d'investissement en général, ça veut dire que marché financier, stock market et private market, OK, et me parler de NFT tout, OK, et metaverse le bas ça. So et pas focus seulement sur crypto monnaie, OK? Pas focus seulement sur blockchain, parler de stock market, parler de private market, parler de warrant le bas ça. OK, so si ça t'intéresse, tu as investir comme chaque mois, on $500, $1,000, $2,000, $3,000, chaque mois qu'a mettre de côté pour investir sur les marchés financiers, on de même mieux. Ou ka ou jeune club la, allez sur redbrancher.com/VIP, VIP, redbrancher.com, redbrancher comme ça, c'est mon nom, c'est créole, RUTBANCHE.com, ok, bon, moi, si m'de quand même mettez là pour nous, ok, mais mettez là, redbrancher.com, pour que l'investir sur redbrancher.com/VIP, ok, donc, ou ka rentrer dans le club là, $39 le mois, et moi, gal bay signal l'autre semaine maintenant, ok, mais c'est signal crypto, ok, qui est QAP. Pratiquement. OK, ça veut dire qu'il doit rentrer, qu'il doit sortir. Ça veut pour monde qui veut trade, yo, OK? Et m'a bail de trois petits trades et pour nous mais nous plus focus sur à faire investir long terme. OK? So nous gagne groupe Discord là, ou carré jeune groupe Discord là et gagne partie public là, je vais me dire là n'importe mon carré jeune ni et club VIP investisseur sur Discord, checker sur Discord ou à jeune ni. OK? Et puis gagne
et monsieur Alliance Haiti Blockchain Alliance qui sous Discord tout. OK, moi connais non c'est ça Haiti Blockchain Alliance au cas je ne sous Discord c'est ça. Partager partager Discord là avant en privé moi c'est si possible qu'à partager avec les communautés hein. OK, m'bal poster là. M'a poster, OK. OK, pour mon cap mandé, OK, moi poster là-bas. OK, so et est-ce que ça va faire prix ETH là dépasser prix Bitcoin dans cas ça avec Ethereum de Brésil. Ba quoi que prix va dépasser même pas c'est market cap et market cap là a switch parce que Ethereum va gagner plus valeur en termes mais prix ba quoi utilisation va augmenter, demande va augmenter yeah. Tout ça fait comme si les prix là vont augmenter. Mais pas oublier Bitcoin là et avec limitation gain avec 1 million, ba bon moment si il va moment il va tellement rare pour jouer un grain de Bitcoin. Et qui pose un grain de Bitcoin comme si ils sont là pour un gros bagage dans la société. Parce que je ne vais pas mentir. À 1 million, et la fin miné en 2000. Il y a 2500 dollars pour l'autre pour 10 ans. Ou 20 ans, l'habitude. Exactement. Est-ce que James et nous checker sur Josias, nous parlons dans la vie quelques jours. Josias et monsieur Fermé là la Marines. OK, ça fait nous parler Josias c'est pareil monsieur Gien, c'est que monsieur dans Marines là. OK, donc dans l'armée américaine, dans Marines, OK. Donc monsieur Fermé là pour 3-4 mois. Donc ça veut dire monsieur ça pour 3-4 mois, monsieur cap après là encore. Donc et ça fait nous parler monsieur c'est pareil Gien, c'est pas problème qu'il y a. Zami Sabre chez Demisson Sago avec Ethereum 2.0 on sort dit est-ce qu'il y a une possibilité pour vous OK me dégager répondre à question ça OK et il y a mon cap dit nos bon travail grand pile question dégager répondre à faire smart contract là OK bon aller la dernière question là OK et Zami Sabre ça les difficultés pour vérifier compte Binance qui j'en nous ca aider Jocelyn Saint-Hilaire qui problème ou gain qui ça ou qui difficulté à qui ça lié est-ce que c'est est-ce que c'est comme si passeport ou qui pas bagay, qui ça ou comme problème? Qui... Est-ce que nous avons coup fonctionner là? Oui, sur redbanche.com, nous avons coup, ok, mais c'est pas sur affaire développement blockchain, nous avons coup qui est plus grand rapport avec investissement. Par exemple, nous avons coup qui va venir dans l'autre semaine, non? Et son ami qui est le Vatson qui crée lui, ok, je vais le bon là, je vais passer mes là dernier, ok, pendant le week-end, non? Donc, et son coup sur blockchain comme si pour nous qui fait cap débuter. OK et mais qui beaucoup plus avancé que ça que coup que même moi t'ai fait. OK beaucoup que me fait qui gratis sur redbanche.com et NFT non. Il y a coup sur NFT, il y a coup sur crypto monnaie pour les débutants. OK donc et en pile monde suivre ça, des milliers de monde suivre ça et même nous mon coup là comme si zanmi a parlé final même te dit pas aller le masterclass mais son coup vraiment côté qui parle et de comprendre crypto monnaie en général ouais ça me besoin et puis crypto monnaie simplifié tout qui déjà sur plateforme là déjà OK crypto monnaie simplifié comme monde coup toujours et aller là l'acheter OK mais pour faire développement et n'attend sauvel les sauver venir avec là ça la faire lien doit faire en direct ou bien lui faire lui pré-record. Donc, n'arrête pas nous plus de détails sur ça. Et ça, ouais. Nous pensons de l'or qui bloque Bismuth et puis Kata token 2022. Donc, on a token ça, regarde, on a ça. Je connais, oui. Je peux parler de dans quelques lives déjà. L'or qui bloque son très bel projet, c'est surtout Gobert ou Captain Bell. Ok, c'est surtout un projet qui n'a betting, ça veut dire dans l'auto, dans loterie. Et je pense que son loterie mondiale, le fait que chaque pays a une loterie par eux, je pense qu'il y a une loterie sur blockchain. Et mon nom a intéressé la dernière. Et ça, comme je dis, mon nom a gagné. La globale. Yeah. Ça veut dire là. Et puis, pas gagner dans le et gagner un cap gain seulement. Ça veut dire, ouais, ou il y a un token dans le café comme avec. Bye, mon gars. Intéressant. On fait comme, exactement. Et si on a une machine privée, est-ce que l'a fait comme? Pour faire stepin là. Et en fait non c'est marcher et courir ou bien jog. Et puis c'est dehors pour c'est pendant caille. Et pas dans machine c'est pas sous bécan. Ya, yeah. Monsieur nous gain le développeur connait à m'attend coin là oui red blanche coin act tout blockchain là. Et n'a travaille sur et sauver après son projet, un projet que même personnellement m'a rejoint. Et nous gain pile belle bagarre que n'a gain pour porter pour nous puis au fur et à mesure parce que d'ici un an, deux ans, il y a pile avancé que pas fait dans la communauté, pas seulement en termes de comme si on a investi, ça, mais nous-mêmes, tout le monde avec projet par nous pour le monde là.
Ou sa mbezou lan, mge pou jè NFT ki map travay sou li, e mge pou jè crypto gaming ki map travay sou li tou. Donc et bon kaba nous plaisir parce que beaucoup fin baio au fin accoucher sur papier ba son mandé comme tout. OK, donc il faut mettre comme là pour ça j'ai des parce que me fait fond ba sérieux et mon ba son m'a fait pour haïtien son ba m'a fait pour le monde. C'est haïtien qu'a fait mais c'est pas pour haïtien seulement, c'est pour le monde. Mais ça me besoin donc mais d'ici 6 mois à 1 an et gen ba nous va le gen ba nous va le et même d'ici 2-3 mois gen ba qui va le sortir. Moi ça me besoin là par exemple Sovnel qui est très avancé non bouger là bas on souvient parler de lui Sovnel public qui parle des plusieurs monde et bien web ça mais qui connaît mon cas OK ouais ben ballon tibane parce que son projet même personne ma projet bon point de vue rapide sur ça en fait objectif principal là je tiens signaler que majorité comme si pays ou APC comme si créer comme si propre stablecoin par pour permettre comme si mon cas interagit avec comme si solution blockchain. Mais nous remarquons en Haïti et solution ta de avini et ceci même le gouvernement décide la faire on stablecoin comme si qui il y a goudlan la faire dans à huis clos avec petit bail fermé la pied donc qu'est-ce qui pas pour solution pour nous et je dis là il y a qui gain majorité monde dans communauté haïtienne capteur de bail des NFT et crypto monnaie yo veulent investir mais avant investir par exemple à savoir comme c'est dans taux de change payer banque payer Binance pour frais ça yo c'est des contrats que vous venez avec yo et ça a boué dans tête moi de décider mettre sous pied une petite réflexion pour me faire comme si ca créer un groupe décentralisé un groupe qui basé sur stablecoin exactement qui pas dépend des gouvernements et qui plus dépend des communautés donc de là étant son groupe cap disponible sur n'importe blockchain vous voulez virer le tourner ou là sur Ethereum avec ou alsou et qu'est-ce qu'on a blockchain avec objectif là c'est ça c'est faciliter goût qui l'emporte ou on pas mieux faire quatre chemins pour monter sur blockchain avec donc c'est on part sur blockchain on part pour sortir sur blockchain là donc c'est objectif principal là et me pense c'est son base tout pour un pilote projet germer donc c'est ça fait c'est là important non important that's it so ça veut dire que dans quelques temps encore nous va avoir un goût qui décentralisé côté que nous capable prendre li pour nous mettre là pour nous changer dollar pour mettre là USDT ou bien USDC whatever ouais am mettre dans stablecoin et nous ca rentrer avec son marché financier à tous marché crypto à pour nous acheter bitcoin pour nous acheter le genre de base ça ouais ça me besoin so et c'est ça travail là donc côté que on clique ouais ça me besoin pas besoin faire un pile travail pour aller changer quoi pour un dollar pour aller en banque pour aller ceci pour aller cela ouais ça me besoin au vini là dans la plateforme là c'est ce que puis devant nous pas une application ouais ça me besoin là donc on est download dit propre ouais ça me besoin et puis ou sur marché crypto avec good qui dans mon là ouais ça me besoin ça son projet pour haïtien OK et ça c'est pour ça haïtien qui parle besoin ça mais nous avons l'autre projet tout que n'a travail sou yo côté que c'est pour le monde entier c'est pour le monde entier et gonz ami qui dit ça que comment courir est-ce qu'il a voyé tennis en bas ou ça a boosté pin là est-ce qu'il veut voyer tennis en bas ou courir avec comment ça en fait tennis n'a pas venir dans mon son NFT et c'est virtuel ou gagne tennis stand et bam moi c'est me partager et c'est me montrer mon yo et ou gagne tennis stand comme ça tennis ça paraît comme ça Depou gen sa nan telefòn nou et puis c'est une application GPS lié et pou ap kouri avèl ou aktive l'ou pral kouri nan matin ou après la marquer bouton start depou gen énergie ou pèse start depou pou commencé kouri si ou achèl pou kouri si ou achèl pou marcher et pou commencé marcher donc depou ap marcher après yon minute ap commencé ba ou GST et yon GST konnen a c'est à $4.50 ba m gade mwen yon GST à $4.50 et puis GST a pran pri par rapport à Solana donc ça intéressant Solana t'a pral GMT ou bien GST GST OK GST yo ba ou GST okay. non c'est yo gen mais comment projet a yo projet a gen yon governance token yon reward token et puis et puis Solana qui c'est token yo utilisé pour dans marketplace là avec des pour acheter okay. Solana on est à pour pour bon reward ou ca sur ça ba yo ba tout mon reward en GST mais dépendant qui niveau ou rivé yo ba ou là en GMT et pour ca ou gen okay. Soit prendre GMT ou bien on prend GST mais pendant niveau tennis yo gen zéro niveau 0 jusqu'à 30 ça veut dire tout temps on va monter dans niveau yo on gen plus ou ca fait plus scope toujours et on garder un GST là dans moment qui
à 4.66. Ça veut dire jodi a la jodi a m'kouri me fait environ 12 GST, ça veut dire ou ka fait 12 fois 4. Ça veut dire pour jodi a seulement. Donc ça veut dire 12 fois 4.66, ça veut dire jodi on fait 55 presque $56. Environ 5, yeah, donc. Pour machin à Haïti, pour ça, oui. Parce que chaque jour, il y a une manifestation, monsieur. Au moins, il y a une manifestation. Oui, les gars, la manifestation, la fête. La fête, oui, les gars, la manifestation, la fête, comme. Sauf que l'énergie est limitée. Si les gars n'ont pas d'énergie, même si la courir, il va faire comme. En fait, et système énergie, par contre, comment les gars. Je pense que les gars mettent comme contrainte. Ok, système énergie, ou bah ou deux énergies seulement par jour. Et sous gain un tennis ou bien deux tennis, sous gain trois tennis ou bien quatre énergies par jour, et bien sous gain quatre énergies, quand c'est sorti qu'à faire deux fois, par exemple. C'est en cours de faire 56 ans, je vais faire 112 de référence, je vais faire trois tennis. Non, même pas. Ah, il va faire $100 par jour, il va faire 3 jours pour courir, ça va faire $3,000 dans courir. Il y a qui n'a qui n'a courir toute l'année. Ben oui. Mais on n'a pas besoin de courir en pile temps, James. C'est 20 minutes au besoin maximum. Non, c'est pas de temps, mon on est capable. Tandis, James, gon contrainte, c'est là où l'énergie ou fait comme là. Ça veut dire énergie ou gagne, c'est pour 20 minutes. Il doit chercher de l'énergie. Pour gagner pile énergie, James, faut gagner 9 tennis. Mon cher, les gars, au fur et à mesure, Oui, gen moun se objectif yo sa, arrive gen neuf tennis dans portfolio yo, et puis play de fait comme. That's it. Men gana font ou moun États-Unis la, et acheter ba yo pou li, ok, on famille, on zami, on ménage, acheter pou li, et puis li même tombe koui tout la sept journée. Yeah. Ben oui, moi dis ça dans la vie aussi parce que moun yo pou ko comprenne, moun ki nan diaspora pou ko vraiment comprenne ça, parce que sou gen moun en Haïti ou kon voye kòb Bali, ou ka fèl koui pou acheter des sambali et puis faire mon enfin côté pour le connaître comme pour les utiliser, il va se faire quoi parler encore. Mais c'est vrai parce que si mon enfin fait $50 par jour, James, pas même pour café le courir tout, la courir vous tout cette. Ouais, mais comme si un jeune qui pas ta faim qui joue les possibilités ça. Zami. Et puis, mon petit club m'ouvre là, tout le monde qui est tennis là est venu dans le club là. Tout le monde qui est tennis là, venu dans le club là pour nous discuter, pour nous parler de Step. Qui est le club là? Je fais sur Facebook, c'est Facebook chat, il dit mettez plusieurs, mon Vietnamien là, dans mettez ici. Depuis mon gars tennis là, que je connais, et puis nous mettez dans le groupe là pour nous discuter, pour qu'il y ait une gaffe pour nous faire plus de tout ça. OK, mais que mon contacte Clever Coaching sur Instagram, ça ba nous lien pour ba là. OK, gonzo qui dit non ça, est-ce une filière dans blockchain qui semble avec SEO dans web 2. Par exemple, et zami ça t'a posé question, ça me pas connaître même. Et Love 20, so j'ai Love 20 qui pose question. Comme si en dehors, si mon pas développeur ou pas programmeur. Est-ce que comme sous quatre travail dans blockchain comme si pour faire comme m'a parler d'investir, non, m'a parler comme si mon cap chercher comme si opportunité en dehors comme si business pour faire business. En dehors de trading, genre de ba ça. Est-ce que l'autre bagaille que mon a fait? Exactement. Pas oublier, quel que soit ça qu'a fait, comme si, quel soit l'entreprise qui a développé, les besoins ensemble de monde, on développe pourquoi pas qu'a fait l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, ou besoin de designer, ou besoin de faire SEO, parce que si vous pas qu'a bien référence son NFT, ou pas qu'a bien référence son website, comme si qui a fait promotion, ou pas qu'a râler mon nom pour investir dans son affaire. Donc, Mon café marketing tout dans les réseaux sociaux bah ça et si c'est une filière ou pas même imaginer comme si mon café copywriting yo. Tout ça yo, comme si c'est tout le monde comme si multimédia comme si il y avait comme si contenu vidéo digital marketing c'est tout le monde net qui autour de lui parce que projet blockchain non il pas parler tout blockchain non pour tout monde utiliser blockchain non faut qu'à mettre non faut qu'à emboîter là en mode web là pour mon consommer. Donc là on veut retourner dans le monde web 2.0. Donc là c'est même pas. That's it. Monsieur ça me dit bien, amis ça dit ça lui pour courir pour nous. Des amis qui dit même il t'a courir en famille neuf tennis, t'a courir en famille ça dit. On ne va pas pour courir là, courir en bon mon santé. On là qui branché qui aux États-Unis quand Europe qui pas temps avec monde ça pas temps. Ouais, ça me dit là, donc ça veut dire que au cas où on a été acheté ni sans vous lire, la courir et puis nous séparer comme là. Ouais, ça me dit là, so,
Donc, chauffeur taxi, chauffeur moto, pas d'en faire comme encore, non, pas qu'à écouter ça. Mais son réalité vient dans le moment. En fait, c'est pas blague liée. En fait, Gombay me fait là, James. Gombay me fait là. Gombay me fait là, si un monde qui est dans l'un, là, je l'avais contacté, je l'ai contacté pour ça. Et je vais être en Gombay, je vais créer là, que le Clever Plus. Et dans Clever Plus, ça veut dire, si un monde voulait acheter tennis, ba moun kouri pou nous faire na formo et équipe pour ça. Moi déjà commencé tellement gen moun ki mande m gen gen moun là que m'a pas chez les pour yo pour cap courir et puis nous partager comme là bon zami qui dit sleep to earn on va dormir on va faire comme je dis vous pouvez pas dormir pour pas que ba cap vini bon zami qui a parlé de nous là et li gen pour venir on va faire push up on va rouler bicyclette. Parce que c'est des bagages, en fait, on sait qu'on a un maximum de monde qui a fait chaque jour. Donc, si on a monétisé, ton incentive là-dedans, même si on a un peu chaque jour à faire jogging. Mais on a un incentive qui a boule calories, mais on a un retour. Donc, si on a fait JP, on a fait comme l'a fait deux, on a fait comme. Pourquoi? L'a fait plus JP. L'a fait plus JP. Nous, même, on a juste gardé, on a fait explorer, on a gardé tout ça qui a fait. Ya, le moment là au tennis entre 1600 à 2000 dollars américains. OK, so pour acheter ton tennis parce que Solana prend valeur c'est environ 12 13 sol. Donc Solana lance 100 dollars là, donc ça veut dire que et ou là 1200 1300 1500, ça me dit là et Solana était dernièrement était là 126, ou 126 par 13 qui était bon 1600 et puis entre 1200 à 1700 dollars, OK? Yeah, on ça va bien. Et va chanter ça. Ba mette sa pi pou yo la pou ka monter moun yo. Ba mette un worker, ça veut dire marcher ou marcher et pou ta pran sa ki pi ba niveau a. Et wap jwenn an view, wap gen sa ki nan YouTube la la. Mais là pas il fasse environ 800-900 dollars. Ouais, 8 pas non 123 dollars comme ça sur la nay. Ça est pour tennis yo regarder là 9 combien sur la nay et après, ça va monter jusqu'à ce que vous venez dans 3 000 Solana, 10 000 Solana, 20 000 Solana, 100 000 Solana pour le tennis. Ok? Si vous avez un sac piché à monter mon yola, il y a un monde qui va le saisir. Si vous avez un tennis qui piché. Ça a été un peu comme 20 000 ans, mais pour ça, il est tout comme ça. Pour ça, tout comme ça? Mais non, vous faites un peu le combat avec tout, James. Mais on a pour 250 Solana. 250 Solana multiplié par 123, ça veut dire 30 000 dollars américains pour tennis. Ben c'est là. Et moi, je vais dire ça bien. Les gars, il y a la forfait cob. Là. Donc, c'est pas. Et quand c'est comme faire, bon, là, on gagne quelques bons petits valeurs Solana là tout. Et on pas besoin de contact. Non, pour acheter tennis, j'ai tout Etienne. C'est monter sur le projet là, monter sur le projet là. OK, bon essayer retourner avec encore aller là taper GMT, c'est les mêmes qui stepin non mais là, OK? Et n'après comme s'il est très en vogue là, OK? Donc c'est monter là, ouais ça me veut dire là et puis ou après côté pour lâcher le pour aller dans market là, ou après tout côté ou acheter sur Binance, ou acheter sur get.io, sur KuCoin, Hobby, ouais ça me veut dire là Bitmart, sur PancakeSwap, ou pas FTX, ou pas que bon côté acheter, soit aller dans une exchange ça Elbank. Aller dans une exchange ça et puis juste aller acheter. Moi ça me veut dire ou besoin de USDT. OK, et des côté yo commande USDC tout, ça me veut dire même plus soit USDT, BNB etc., USDC par exemple là on a des USDC etc. Donc c'est juste aller par exemple sur Binance là, des cliquer sur lui là. OK, la voie directement sur Binance. OK, et bon, les dit ni font là, mais des bois aller sur lui ou acheter. Ouais, ça me veut dire donc c'est ça, aller dans market, on prend côté bois acheter. OK, les sur Binance. OK. Et Binance, et comment tu as parlé? On cache ton token, non, donc investir en token, non, c'est pour la bouger. Ou là, vous cachez ton tennis, mais on cache ton token. Oui, on investit en token, non. Et tout ton coup, plus ou fait plus scope, tout ton tennis, on a plus énergie, tout ou fait plus scope, ça me donne ça. Et download application pour voir comment fonctionner. Ça me besoin download application, acheter NFT, acheter tennis. Ouais, ça me besoin et puis qu'on a là pour commencer à utiliser parce que grand pile basse là utiliser pour vraiment comprendre comment fonctionner. Nous te mettre zone explique et cetera. Tout monde pas utiliser li, on pas que pas comprendre. Ouais, ça me besoin. Mais ça son opportunité pour mettre pour faire revenu passif. OK, qui dépend exactement de vous-même, on va besoin mettre comme dans béton pays et gain monde qui mettre comme dans lié plus mal là, li plus mal là, li plus mal.
Ouais, ça me besoin là, donc mon yo mon yo perdu comme le bail ça. Donc et en plus mon perdu comme là fait bail ben l'aime je de bail ça. Donc ça veut dire que on pas obligé à bail mais l'aime manger quoi bout. Ouais, ça me besoin là et ou caler ou faire genre de bail ça puis tout côté que ou gain contrôle à fort. Ouais, ça me besoin là sur sous baguette tennis sous pas faire comme et c'est avec tennis beaucoup. Ou pas courir puis arrêter. On c'est avec tennis tennis juste là beaucoup. Ouais, ça me besoin là, OK. So et monsieur et mot la fin pour acheter là. Et ma pas souvenir d'abord. Bon, ça me garde. Bon, avant tout, je vous remercie, monsieur, pour nous participer là. Et c'est la première fois que c'est son expérience bien assez intéressant et leur partage à tout le monde. Et moi, ça me garde tout le monde. Étant que moi, plus développeur qu'investisseur. Moi, investis, oui. Mais c'est objectif, je me garde comme si à long terme. Moi, c'est, je disais, un bon projet. Par contre, c'est moi coupé pour moi seulement coupé, mais garde autant de non, de bah, attendez, monsieur, non? Et monsieur, bah, attendez, monsieur, monsieur coupé, et mais garde, mais bah, me la fait pas. Alors, well, bon, moi, c'est ton plaisir pour me dire avec nous et m'a dit, nous pas oublier n'importe façon ou côté, quel que soit à côté, ou au Brésil, Chili, Haïti, ou quand investir dans la crypto-monnaie, quel que soit un cadre de débit ou un cadre de débit, venez dans un Clever Club et puis chaque premier semaine ou bien deuxième semaine dans le mois, nous investis. Et bien normalement dans le marché crypto. Moi, il y a un bail que je fais qu'on est là tout. C'est utiliser tennis ça pour me capable grandir portfolio sur la NAM. Mais ou même tout, capable faire même stratégie. Du moins, si tu as une stratégie par pour faire pour grandir portfolio, investir 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars chaque mois. Et puis pour capable grandir. Parce que si nous faisons ça, et dans 5 ans encore, nous avons plus bon qui côté nier, même si nous ne pas travailler, même si nous ne pas faire rien. Seulement 10 dollars, ça va mener au plus loin. Et je vous prends un exemple avec nous, de tout ça qui passe déjà, nous avons réalisé. Donc, côté blockchain, nous allons nous ne pas connaître qui côté nous aller, mais si nous suivons, nous avons privé au bon port. La forme, forme. So, et tout le monde qui est branché, nous dit nous merci pour la ça. Son live que nous fait chaque jeudi, dans le ça, ok? Et dans la soirée à 9h30 PM, ok? Dans le Haïti, le République Dominicaine, le États-Unis, etc. 9h30 PM, toujours branché chaque jeudi soir, ok? Et même personnellement, moi, live, et lundi avec mercredi, mardi, vendredi, mais vendredi, on vient nous récupérer la bossie en trois barres pour moi. Parce que moi, j'ai vu après deux lives dans la journée, parce que nous connaissons même en Chine, moi. Donc, moi, c'est que ma live, lundi, mercredi avec jeudi. Lundi, mercredi, dans la matinée à 11h30. Dans la matinée, ok, dans le Haïti, donc côté que me commenter nouvelles sur marché crypto a, et puis jeudi côté me faire live ça avec toute équipe là, côté que n'a débat on sait le sujet qui a à voir avec crypto. Jeudi on t'a parlé de Ethereum 2.0 qui a venu là, ok, tu me suis prévu à lancer en juin, n'ayez que dans test net là, ça veut dire que la version bêta là, il a testé toute bagarre en forme. Ethereum a passé de proof of stake à proof of work, à proof of stake, ok, côté que qu'on a là, il y a l'avantage que la bien c'est que la consommer moins d'énergie parce que m'a besoin de monde qui pour miner pour bouler l'électricité pour produire Ethereum, la plus moins énergie. A bien tout, quantité Ethereum qui peut venir sur le marché, parce que quantité Ethereum n'a pas limité même jamais Bitcoin, il y a toujours produit Ethereum, mais quantité Ethereum qui peut produire sur le marché, là, ok, il peut réduire à 90%, ça veut dire que c'est seulement 10% de quantité qu'on a habitué à monter à qui peut le bagaille. Pendant ce temps, Ethereum dans lui-même, et nous connaissons que nous mettons la bonne là, c'est-à-dire update sur Ethereum, Ethereum qui déjà existe, update sur Ethereum au fur et à mesure. Donc, et qu'on a la quantité Ethereum update sur avec quantité Ethereum qui a produit, pour aller faire que Ethereum n'a pas déflationniste. Ok, ça veut dire que quantité à la prise, qu'on est que tout autant qu'on est actif, comme si le monde plus besoin, et puis il y a moins sous marché, c'est tout autant que la prend plus valeur. Donc, ça veut dire que à long terme, ça va le faire que prix Ethereum dans l'hyper augmenter considérablement. Et puis tout, frais de transaction, nous connaissons Ethereum dans frais de transaction très très élevé. Ok, et dans le moment là, si on est à fond transaction sur Ethereum, on va payer n'importe 100, 200 dollars pour fond transaction. Pendant ce temps, c'est un bar qui peut tomber dans centimes ou bien dans dollars, dans le bar qui là, le passé de et proof of work là avec proof of stake là. Ok, donc, et nous connaissons que en pile gros investisseur yo believe dans Ethereum avec dans Bitcoin, OK, yo gen moun ki gen doit rentrer dans Solana qui dans Avalanche tout etc., OK, ça qui puis bravio mais pension fund yo hedge fund yo c'est Ethereum avec Bitcoin que yo connaît. Donc et leur connait là Ethereum passe avec proof of stake pas bon 10 à 15% là qui déjà supérieur avec inflation, gen pile moun qui va prendre cob dans bond et va la gagner dans Ethereum comme si nous. Il y a pile monde, il y a pile hedge fund, il y a pile pension fund, il y a pile et comme si et government fund, il va prendre quoi bio gain dans bon market là, dans marché dette là,
OK, il y a trois parties là-dedans, je vais investir dans Ethereum particulièrement parce que Ethereum là connaît la barre ou intérêt de 10 à 15% là et là bon, c'est plus Ethereum là, Ethereum continue à prendre valeur tout ça va nous faire que et 15% là doit en réalité c'est 20%, c'est 30% lié, c'est 45% lié, c'est 60% que lié non année. Donc ça veut dire son barre qui est très intéressant en pile grand investisseur qui pour ça venir là. Seul problème yo peur pour Ethereum là parce que pour fort pour ça dans il pas marché. Mais c'est cette là qui est monté que tout va marcher très très bien. Donc et c'est que immédiatement que après quelques mois que Barça a lancé, on va le smart money on va envahir Ethereum non et non ma cap venir là très bullish pour Ethereum pour moi pour année ça parce que market cap a dépassé market cap et Bitcoin. OK, donc et n'attend ça avec impatience mais personnellement c'est Ethereum plus gain dans portefeuille moi en termes de actif. OK, donc en tout cas et red brancher son mon intérêt avec et club VIP pour côté que m'a partagé j'ai de l'information ça yo et côté m'a dit que côté m'a investi que ça stock market crypto monnaie et marché private market etc. Rentrez dans redbrancher.com/VIP $9 le mois. OK, débourser petit peu pour investir chaque mois. OK, donc rentrez dans club VIP pour capable jeune information dans bot smart meet, rentrez dans groupe Discord là. Et bientôt chocolat. En forme, merci en pile et bien à jeudi prochain. Bye bye.